un boulot. Tu comprends, j'ai des gosses à nourrir et des factures à payer. J'ai décroché un contrat. Réglage du GPS. Simone, calcule l'itinéraire. Allez, c'est parti mon kiki. Arrimage de la remorque. Ajustement des rétroviseurs. Vérification des essuie-glaces. Allez, on passe la première. Il pleut, ça va déraper. Hé toi, laisse-moi passer. Allez, j'appuie sur le champignon. Dégagez la route. Faut bien que je gagne ma croûte. Devant, y a plus personne. Mais quel est le con qui klaxonne? Direction Carcassonne. Bon, allez, on va pas attendre beaucoup plus longtemps. Pouf, pouf, pouf. Ça va être une boucherie. Le clavier, on le met là. Ça, on le vire. Ma bouteille, elle est là. Pouf, a priori, vous êtes là. C'est ça. Puff, puff, c'est quoi le bouton? C'est celui-là. Normalement, on est là. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Enfin. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir démarrer, c'est infernal. J'ai changé deux fois de setup entre hier et aujourd'hui pour essayer de filmer quelque chose pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, nous sommes, je ne sais déjà plus. Nous sommes le vendredi soir. Nous sommes le 20 septembre. Il est presque 21h. Non, un peu plus de 21h. Ce soir, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, on en avait parlé. C'est vrai que j'avais remis un peu le... J'avais laissé tomber parce que justement, j'avais pas préparé de quoi filmer ou quoi que ce soit. On va essayer. Essayer, je dis bien, et on va décrire un petit peu le process général pour essayer d'améliorer la durée de vie d'un téléphone Android. On va en discuter un petit peu du problème du monde Android, on va dire, d'un point de vue logiciel. Et comment ? Et donc on va essayer de voir comment remplacer tout simplement en fait l'Android officiel qui n'est plus maintenu par le fabricant. Par une version plus récente et qui elle a priori a encore des mises à jour. Donc on va voir que la solution est loin d'être universelle, on va voir qu'elle a rien d'accessible du tout.
Et en plus, vu l'âge du téléphone, je sais même pas si on va arriver au bout. Puisque le téléphone sur lequel on va bosser ce soir date de 2016. C'est un mal-aimé de chez OnePlus qui s'appelle le OnePlus X. Donc OnePlus, on le rappelle, c'est une marque qui est apparue, je crois, en 2015, si je dis pas de bêtises. Leur credo à l'époque, c'était de proposer des téléphones avec des configurations particulièrement bien chargées, assez haut de gamme, mais à des prix très très contenus. C'est à l'époque où on a commencé à entendre parler de flagship killer. Flagship, c'est le terme anglais pour dire vaisseau amiral. Souvent, c'est des matériels haut de gamme. A savoir qu'à l'époque, je crois qu'on est en 2015, on n'en était pas encore à l'iPhone au-dessus de 1000 euros. Et on avait déjà des bêtes de course. Donc, et le OnePlus X est un modèle qui était moins haut de gamme, beaucoup plus petit pour même pour l'époque. Et à un prix encore plus contenu, puisque je crois que je l'avais payé 300 euros, un truc comme ça, à sa sortie. Et ce qui était très bien, hein, ce qui vraiment était très bien, on était déjà dans ce qu'on pouvait considérer du milieu de gamme. Et le problème, c'est que bah, OnePlus, ils ont sorti le téléphone, genre au mois de janvier, ou je sais plus, et à la fin de l'année 2016, ils ont dit, bah, on fera plus de mise à jour. Voilà, ça faisait même pas un an que j'avais le téléphone, j'avais dû l'acheter au mois de février, un truc comme ça. Et ça se reflète hein, sur le téléphone, puisque on le verra après, mais là sur l'écran que vous voyez pas encore, je vois niveau de correctif de sécurité d'Android au 1er novembre 2016. Voilà. Donc autant dire que je l'ai eu mauvaise. Et bah, il m'a quand même fait 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je l'ai utilisé pendant... Non. Ah, quoique. Est-ce que mon... J'ai vraiment tellement de problèmes avec les dates, c'est terrible. Non, je l'ai 2, 3 ans. Je sais plus. Hein. Il me semble que c'est 3 ans puisque j'avais acheté derrière pour le remplacer le P20 Lite de chez Huawei. On va regarder quand il est sorti celui-là. Je vous le mets, on va déjà passer sur le bureau vite fait. Tac, tac, tac. Le test des numériques qui date de 2018. Donc je l'ai acheté en 2018. Voilà. Donc je l'ai changé au bout de 2 ans. Et parce que oui, à l'époque, je me voyais pas, je me voyais pas le bricoler. En fait, surtout, j'aime pas. Je l'ai fait la première fois avec mon premier Galaxy S. C'est-à-dire que j'ai pris le risque à l'époque de fumer le système d'exploitation. J'avais pas de téléphone de rechange, donc si jamais je le foutais par terre, j'avais rien pour me retourner. Et ça, il en était pas question. Et au final, je l'ai jamais bricolé. Jusqu'à maintenant. L'année d'après, je m'en suis servi comme téléphone secondaire quand je suis allé à l'île Maurice pour le travail. Et après, je l'ai foutu dans mon tiroir et ça fait 5 ans qu'il dort dans le tiroir. Là, je me suis dit, cette année, allez, on va s'en servir, on va bricoler, on va voir si on peut faire quelque chose. Quelque chose qui était déjà valable à l'époque pour remplacer un système Android, c'était de commencer par ce qu'on appelle un recovery. En l'occurrence, TWRP, alors je sais plus trop ce que ça veut dire parce que c'est de l'acronyme de machin. TeamWin, ok d'accord, ils sont pas embêtés. Et recovery partition. L'idée c'est d'avoir une sorte de simili BIOS, je l'appellerais comme ça. Qui va vous permettre derrière de gérer l'installation du système d'exploitation. Donc, alors, dans l'univers d'Android, on appelle ça des ROM, ce qui est moyennement vrai, puisque dans la pratique, le système de fichiers n'est pas en lecture seule, mais on a l'habitude d'appeler ça comme ça.
Donc là, l'idée, c'est qu'on va remplacer donc la ROM officielle, si on reprend le vocabulaire consacré, pour aller lui foutre une ROM custom. Et j'ai de la chance, c'est qu'on a encore sur le site de TWRP, on a encore le fichier. On a le fichier pour pouvoir l'installer sur le téléphone. Alors, comment on installe, comment on manipule des choses? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut. Alors, sur ce téléphone-là, a priori, on va être tranquille. Si j'ai bien compris, ce qu'on appelle le bootloader, donc vraiment le micro-système de démarrage initial au moment où on met le téléphone sous tension, n'est pas verrouillé sur le OnePlus X. C'est là où je disais que c'est très compliqué, c'est que d'un fabricant à l'autre, c'est au petit bonheur la chance. Typiquement, sur mon Huawei, je ne peux plus. Il est verrouillé, donc on ne peut pas démarrer autre chose que ce que Huawei a voulu faire. Et c'est très très compliqué de s'en sortir sans le fabricant. Je me souviens à l'époque avec quand HTC faisait encore des téléphones, quand j'avais mon. C'était le HTC One S. Il me semble qu'il s'appelait comme ça. Oui, c'était ça. Oh la vache, c'était une autre époque, hein. C'était vraiment une autre époque. Oh, le découpage dégueulasse! Quelle horreur! On sent le truc qui n'a pas été fait pour les thèmes sombres des sites web à l'époque, hein, parce que ça remonte à 2012. Hein. À 2013. 2013? Bon, moi je l'ai acheté en 2012. Bon. 4,3 pouces aujourd'hui, si vous achetez un téléphone. On considère qu'en dessous de 6 pouces, c'est des petits téléphones. Donc, je vous laisse imaginer un peu le délire. Ça, c'était pas considéré comme spécialement petit à l'époque, hein, 4,3 pouces. C'est quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc sur le HTC, il avait fallu que je passe par le site développeur de HTC, que je crée un compte développeur. Et ensuite, ils m'ont donné un code à saisir sur le téléphone pour déverrouiller le bootloader pour qu'ensuite je puisse tenter d'installer autre chose dessus. Bon, malheureusement, pour différentes raisons, le téléphone est mort pour d'autres raisons, mais il n'aura pas duré non plus éternellement. Mais l'idée, c'était ça. Et d'ailleurs, ce qui était chiant au passage, c'est qu'en plus, ils réinitialisaient le téléphone pour déverrouiller le bootloader. Le problème, c'est que le téléphone s'est mis à redémarrer pour me dire réinitialisation en cours, et ça, dans la doc, c'était écrit à la toute fin, pas au début. Ce qui fait que j'ai perdu 8 mois de SMS, c'était un bonheur. Parce que j'étais vraiment pas bon sur les sauvegardes à l'époque. Bref, fast forward, nous disons donc Huawei, et ben Huawei, l'année où j'ai acheté le téléphone, ils ont fermé leur site développeur, donc je n'ai pas pu déverrouiller le bootloader avant de. Bon, qui ferme le site, ce qui fait que je ne peux plus déverrouiller mon téléphone pour pouvoir lui installer autre chose qu'Android 9, puisqu'il est toujours sur Android 9. Qu'est-ce que je voulais? Oui, du coup. Et donc, bah, le OnePlus X, lui, il est resté sur Android 6. Un petit peu chier quand même. Alors évidemment, on est sur des caractéristiques de 2016. Mettre une version plus récente d'Android ne fera pas de miracle. La batterie, elle est rincée de toute façon. La puissance de 2016, forcément, en 2024, c'est un peu compliqué. Il n'y a que 3 Go de RAM, il n'y a que 16 Go de stockage interne. Je ne sais déjà même pas si on va pas avoir des problèmes. A priori, non, parce que s'ils proposent des ROM, c'est que c'est flashable. Généralement, les ROM, ça prend, allez, 2, 3 Go de stockage. D'ailleurs, si on regarde un peu
En fait, j'ai dézippé le truc, mais j'ai pas besoin de le dézipper. 515 mégas, et quand on le dézippe, ça fait 517. Donc la ROM de base, elle fait moins d'un giga. Évidemment, après, ça va grossir très très vite au fur et à mesure de l'installation des applications. Mais voilà, on est sur ce... On est sur ce truc. Du coup, qu'est-ce que... Oui, alors. Donc l'idée, c'est de passer par un recovery custom. Et une fois qu'on a ce recovery custom, on peut installer la version qu'on veut. J'ai de la chance. On va mettre des gros guillemets. Il y a des versions. Alors, il n'y a jamais eu de version officielle stable de Lineage OS, qui est l'héritier de Feu CyanogenMod, pour ceux qui se souviennent de cette époque. Il n'y a jamais eu de version stable officielle pour mon téléphone. Il n'y avait eu que des Nightly déjà à l'époque. Et après, qui est définitivement abandonné sur le forum XDA, qui est vraiment. Comment on pourrait appeler ça? Quelle analogie je pourrais faire? Un grand bazar, mais au sens énorme marché du terme. Le sens noble, entre guillemets, de bazar, vous voyez, le sens original. Et pas le foutoir que j'ai à côté de mon bureau, par exemple. Un grand bazar pour l'univers Android. Généralement, on voit que ça peut aller un peu plus loin. Il y en a qui vont un peu sur de l'imprimante 3D, il y a de l'Android Auto, du Wear OS, donc ça c'est pour les montres connectées, pour ceux qui en voudraient, et qui voudraient bidouiller leur propre le système d'exploitation d'origine de la montre. Voilà. Là, moi, je suis allé pour l'expérience de ce soir, donc je me suis concentré donc, sur le nom de code, c'est Onyx de mon téléphone, qui correspond plus ou moins à la couleur, hein, parce qu'il est tout noir le bordel. Et alors, là où c'est compliqué, j'ai du mal à comprendre, Lineage OS 18, de ce que j'ai compris, correspond en dessous à Android 11, qui vient d'être en fin de vie. Donc en plus, Lineage OS a dit, Lineage 18.1, c'est fini. Bon, bah tant pis, mais c'est pas grave, de toute façon on est là pour l'expérience plus que pour dire je veux utiliser ce téléphone au quotidien, c'est pas le but. Mais je considère que même pour un téléphone de 2016, normalement il doit encore avoir quelques capacités, donc ça pourrait être intéressant d'avoir un système plus à jour, parce que Android 6. Pour donner une idée, Google vient de supprimer le support d'Android 5 dans les Google Play Services, qui est la base de toutes les applications que vous avez sur le Play Store, qui est la boutique officielle de Google, pour Android. Ce qui veut dire que normalement, d'ici peut-être un an, Android 6 va suivre, s'ils décident pas même de pousser la barre encore un peu plus haut. Même si en fait le critère principal, c'est leur panel de leur taux d'utilisation. En fait, via le Play Store, Google récupère des statistiques sur les versions d'Android en circulation. Et c'est là où on voit qu'on a une énorme fragmentation parce que les fabricants sont vraiment de très, très mauvais élèves sur le sujet. Et du coup, on a encore à l'heure actuelle, je crois qu'ils viennent de supprimer. Alors, non. On s'en fout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Arrête de m'emmerder. Reject. Hop. Donc, on est. C'est Lollipop. Ok, c'était Lollipop le nom. Et 6, c'était quoi? Ah, Marshmallow. C'est vrai. Donc, du coup. Voilà, donc ils viennent de supprimer le support de la version d'Android qui datait de 2014 parce que c'est tombé sous les 1% d'activité.
Et donc, je pense que il pourrait être beaucoup plus agressif sur le sujet, mais c'est leur critère. C'est leur critère. C'est le pourcentage d'utilisation relevé via les statistiques du Play Store. D'ailleurs, au mois de juillet, ils avaient déjà viré Android 4.4. C'est quand même, on est quand même sur quelque chose. Hein. On est quand même sur quelque chose. Du coup, j'ai donc le TWRP, la ROM officielle, et du coup, j'ai retrouvé. Voilà. Alors, j'ai. Il me semble que j'ai déjà le. Ah non, j'ai pas le TWRP encore. J'ai l'archive de Lineage. J'ai, alors important aussi du coup, les Platform Tools. Les Platform Tools, what is this? J'ai viré l'onglet, d'accord, Win+. SDK Platform Tools, bah, c'est principalement les outils. Alors en ligne de commande, hein, comme on disait que c'était pas accessible, il va y avoir beaucoup de lignes de commande, de bricolage. Ça demande d'activer le mode développeur d'Android. Qui n'est pas quelque chose de trivial à activer. Alors le truc c'est que moi pour vérifier que je puisse faire le live ce soir c'est déjà fait. Mais la méthode elle est la même quasiment à chaque fois. L'idée c'est qu'il faut activer. Voilà, il vous le donne. Hein. Alors c'est en anglais mais je peux vous le dire. C'est sur votre appareil. Vous allez dans les settings, dans les paramètres. Vous allez dans à propos du téléphone. Vous cherchez le numéro de version, numéro de modèle, je ne sais plus. Ce qui parle de build number, donc c'est potentiellement la version d'Android. Vous tapez 7 fois dessus et vous avez un petit pop-up qui apparaît pour dire voilà, vous êtes développeur. Et du coup, vous avez un nouveau menu qui apparaît et il faut activer le débugage USB. Alors, les options pour développeurs déjà permettent de débloquer pas mal de petites options, dont certaines qui pourraient vous aider sur certains téléphones à essayer de récupérer un chouïa d'autonomie. En désactivant des animations, par exemple, au niveau de l'interface. Voilà, il y a plusieurs petites options. Il y en a plein qui sont très obscures. Même moi, je me suis jamais plongé dans l'intégralité des options du menu. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des téléphones soit vraiment bas de gamme et qui galéreraient un peu déjà de base, sur des téléphones un peu anciens pour lesquels on aurait peut-être envie aussi de récupérer un peu de patate. Et ça permet d'activer le débugage USB. Le débugage USB, il a aussi un autre intérêt pour les développeurs cette fois, et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir en action au travail, chez le client chez qui je travaille en ce moment, pour l'équipe qui développe des applications mobiles. Ils ont un. Alors en l'occurrence, ils le font sous Mac. Je pense qu'ils pourraient le faire avec un autre appareil, mais là, ils ont choisi le Mac. Ils ont un Mac mini. Ils ont trois téléphones Android branchés dessus en USB. Et ils ont une application qui, à la demande, va installer sur les trois téléphones l'application qu'ils sont en train de développer, donc la version qu'ils viennent de construire, avec leur dernier changement. Et ça va charger les applications sur le téléphone et les tester. En conditions réelles sur des vrais téléphones. Ils ont deux, trois gammes différentes, d'âges différents, qui sont censés refléter. Les téléphones qui sont actifs chez les agents, chez les agents du client. Voilà. Et ça se fait avec le débugage USB. Nous, en l'occurrence, le débugage USB, il va nous permettre de lancer des commandes pour redémarrer le téléphone, flasher directement une image, en l'occurrence le TMP. Ça va nous permettre aussi de sideload, donc c'est-à-dire de charger à la main. L'archive zip sur le téléphone, toujours pendant qu'il sera en mode comment? En mode sideload, là, fast boot. Et du coup, derrière, alors, ça. On a quoi? La dernière image, c'est 2020, c'est parfait. On va faire ça. Hop, voilà. Ça, je l'avais pas.
Hop, hop, hop. Et donc j'ai déjà récupéré ADB Fastboot, je les ai. Donc, ADB, je crois que c'est Android, Debug Bridge ou Device Bridge, un truc comme ça. Et Fastboot, c'est si on veut déverrouiller le bootloader et flasher une nouvelle image. Voilà, voilà. Donc là, c'est directement les outils sur le site Android. C'est pas compliqué, on télécharge la version Windows, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu l'archive j'ai eu l'archive zip que j'ai ouverte, c'est ce qu'on a là, Platform Tools, et donc vous avez ADB, vous avez Fastboot, et a priori, c'est les principaux qu'il y a besoin d'avoir. Et du coup, alors, il me semble... Normalement, j'ai dû faire le truc. Donc, on va pouvoir commencer. Après cette petite demi-heure d'introduction, on va pouvoir commencer les manipulations. Donc, il nous dit, vous téléchargez le point .img. Ok. Si on fait une install méthode avec Fastboot, c'est ce qu'on va faire. On a besoin des Platform Tools, c'est fait. Alors par contre, il nous dit qu'on a besoin des drivers, mais moi les drivers, j'en ai pas eu besoin. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'après, j'ai tapé ADB, et moi, il fonctionnait très bien. Il m'avait donné la version du téléphone. D'ailleurs, à ce propos... Merde, con. Parce que je voulais faire, c'était ça. Parce que de toute façon, vu qu'on est sous Windows, on va le faire avec PowerShell. Alors par contre, oh comment ça lag sur le, oh la vache. Oh, pourtant la caméra elle est fluide, mais alors par contre côté bureau, en même temps il m'a fait un freeze juste avant le début. Du coup ça me surprend pas qu'il soit en galère. Alors je vais peut-être vous montrer aussi le. C'est ça, le smartphone. Voilà, pouf. Alors, donc vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est un peu la difficulté. Je vais essayer de voir sur l'écran. Ouais, ça scintille encore un peu. J'ai essayé de faire ce que je pouvais au début, j'avais mis la webcam. Alors déjà, c'était un foutoir, j'ai eu du mal à la brancher, ça marchait pas au début, ça voulait pas charger. J'ai un bug avec mon hub USB qui soi-disant n'a pas le débit alors qu'il est censé l'avoir. J'ai passé une demi-heure à essayer de fouiller un peu. Et j'ai des incohérences sur les versions d'USB qui me sont remontées. Il y a des trucs un peu chelous. Merci AMD. Hein. Après, on s'étonne que ce soit compliqué de les recommander pour faire des gros PC. Tellement de débilité avec leur plateforme que... Au-delà du prix. Donc du coup... Donc on a bien la version d'Android là. Qui est Marshmallow. Alors, je sais pas si le téléphone, lui, il va nous faire une petite balance des blancs, non? Parce que si je fais ça, vous voyez mieux parce que c'est moins direct. Mais du coup, vous avez les reflets vers le mur, c'est parfait. C'est une connerie. Peut-être dans l'autre sens, avec moins de reflets, du coup. C'est terrible. Hop. Oh, si, vous l'avez quand même, au final. Voilà. Alors, ah oui, alors par contre aussi, vous le voyez pas. Autre problème sur ce téléphone, hein, qui fait que je vais pas l'utiliser vraiment pour ce soir. Enfin, à terme, je vais pas l'utiliser de manière solide. Normalement, en bas, là, vous voyez pas parce que c'est tout noir. Je suis censé avoir trois boutons tactiles, donc le bouton du milieu qui me permet de revenir au milieu. Il y a un bouton pour la liste des applications. On voit que voilà, j'ai pas eu pas mal de trucs d'ouvert. Et j'ai un bouton de retour arrière. Et normalement, ça, ils sont censés s'allumer, et je sais pas pourquoi, maintenant, ils s'allument plus. Donc on verra si ça revient avec la mise à jour, la réinstallation du téléphone. Mais ouais, c'est pas... C'est, on n'est pas sur quelque chose de très confiant. Alors...
Non, c'est pas ça. Téléchargement. Petit download, parce que, évidemment. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis OnePlus, OnePlus X5. Hein? Ah oui, pardon. Hop, et on va dans Platform. On va dans Platform Tools. Et j'avais fait .slash adb devices-l. Donc là, normalement, il va me dire oui, c'est pas démarré, donc on va le démarrer. Puis une fois qu'on va le démarrer, voilà, il nous dit voilà, OnePlus Model, OneE003, OnePlus Transport ID 1. Voilà, jusque-là. Donc vu que je le vois bien, pour moi, le driver, il est bon, donc je pense pas qu'on ait besoin de faire plus. Et ça, c'est quelque chose, voilà, j'ai vérifié hier soir. Alors à savoir d'ailleurs que quand je l'ai branché, enfin, je l'ai. La première fois que j'ai lancé cette commande, je voyais pas le nom. Je voyais pas le nom parce qu'en fait, le téléphone me demandait d'autoriser l'ordinateur à le manipuler via l'USB. Donc c'est pas parce qu'on active le débugage USB qu'il y a un blanc-seing pour n'importe quel ordinateur branché sur l'USB pour manipuler le téléphone. Il faut quand même encore une action pour autoriser l'appareil qui est connecté à manipuler Android depuis le port USB. On est quand même sur un niveau assez... voilà. Alors du coup, si on reprend vite fait... alors comment on va faire? On va faire ça peut-être. Puis on va se mettre les commandes là. Donc il nous dit on fait un ADB reboot bootloader. Allons-y, hein. Ah oui, du coup c'est .slash ADB reboot bootloader. Donc là on va voir ce qu'il nous dit. Le téléphone vient de s'éteindre. Et il est en mode fastboot. Donc là normalement, il est censé répondre aux commandes fastboot. Ce qui me va bien. Et donc là, on est parti. Plus de retour arrière possible. On va peut-être... Alors, non, c'est Platform Tools. Fastboot.exe. Flash. Recovery. TWRP Onyx.img. Donc là, on lance. Et là, on a peut-être le problème des drivers. Ah ! Quoique non, il nous dit quoi ? Alors ensuite... Là, il nous dit, waiting, il est en mode fast boot, mais il le voit pas. Alors, est-ce que... Si on fouille avec HW-info... Oui, oh, non, merde pas. Alors, port USB. On essaye d'aller voir un petit peu, hein, c'est quoi ça, ITE Tech USB 1.1 full speed, je sais pas ce que c'est. Là, il n'y a pas de port USB. Ah. Google Coolpad Single ADB Interface, bah alors. Ah mais y a pas de pilote. Ah bah ouais, donc du coup c'est peut-être pour ça, donc on a peut-être vraiment besoin de des drivers. Bon bah Universal ADB Driver.
problème, c'est que j'ai peur qu'il me demande de redémarrer le téléphone une fois que... Ouais, il va, normalement, il va me sortir un vieux pop-up de l'enfer. Je vais peut-être débrancher le téléphone. Non, close. Ah non. J'ai peut-être besoin de le redémarrer. On verra. Le téléphone est toujours en fast boot. Hein. J'ai entendu les bips. Comme quoi j'avais débranché, rebranché. Donc on va relancer la commande maintenant. On va voir ce qui se passe. Ok, bon. Alors, je vais... Là, j'appuie sur les boutons, il se passe rien. Non, si je refais le... HW Info, il va nous dire quoi? On va être sur contrôleur USB 3.1 Corsair. Ah, là cette fois j'ai un device instance ID avec un location pass. Description du produit. Donc là j'ai un pilote. Ouais, mais c'est standard USB hub, c'est pas ça en fait. Merde, alors. Ah! Mais on vient désinstaller les drivers. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Fastboot interface for most Android phone. Ah oui, mais les drivers, ils sont peut-être un peu vieux, là. Quoique, il y a 9 ans, c'est quoi? Ça correspond à quoi? 2015. Ah! Ouais, c'est peut-être trop vieux. Du coup, il nous dit quoi, là? C'est quoi, ça? Live ISO? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont changé le nom, d'accord. Oui, mais non, là on est dans le cadre d'un live, donc on s'en bat les couilles. On a quoi? Les Naked ADB Driver, c'est quoi ça? Nexus 5 support, oula. Ouais, 2013. S'il n'y a pas de mise à jour, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il nous dit le truc? J'ai vu qu'il y avait quoi, 5 pages. Les mecs ont arrêté d'en parler. Ah! ADB, First Boot et USB Driver pour Windows. D'accord. Ça date de 2019. Ok. Oui, c'est normal. D'accord, 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 bon. Alors lui, c'est un fichier .batch. Ok, fichier .batch qui veut dire, du coup, il va nous falloir... Je peux déplacer.
Je vais regarder vite fait ce qu'il fait le fichier avant de. Alors, si on est. Si on fait ça. Il nous prend les sources machin, d'accord. Ok, il va nous lancer un PowerShell, d'accord, en administrateur, d'accord. Ensuite, script directory, download latest ADB installer batch file. Ok, donc là il va récupérer le truc. Ensuite, il l'appelle. Ah oh oui, c'est génial. Bah du coup, on va faire quoi alors? On va faire ça. On va regarder un peu à quoi il ressemble ce truc-là. Ok, alors c'est un point batch. Tac, tac, tac. Oui, on a compris. Alors. Donc il vérifie ça. Ensuite. Starting installation. Exécution policy bypass, d'accord. Il va chercher les platform tools. Il va chercher. Les USB drivers, il va chercher des points inf. Oh la vache. Ok. D'accord. Ensuite, il nous fait quoi? Il retélécharge encore des trucs. Oh là là. D'accord. Ensuite, il supprime. S'il y a des choses, s'il y a des platform tools, il va les supprimer. Et ensuite, il installe, il copie les fichiers. D'accord. Ok. Ensuite, il nous fait quoi? Les replace de driver Google. Ok. Oh, ça. M'énerve parce que du coup il va récupérer plusieurs scripts qu'il a foutu sur un CDN. Les scripts, on sait pas trop ce qu'ils foutent. Alors, ceci dit, là il pousse l'USB, ensuite il appelle l'unsigned driver installer. Ensuite il refait ADB reboot bootloader, d'accord. Il cherche le unauthorized au cas où. Qui dit qu'il essaie. Ok. Ok. Confirme l'installation dialogue. Tout allô USB debugging. Oui. Press Enter Key. D'accord. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ensuite, il fait un startup. Machin. Fetch WID. Device temp. Il vérifie l'environnement. Nya, nya. Ok. Ouais, alors ça, t'étais peut-être pas obligé de le faire. Ensuite, installation complete. You can run ADB in fast boot command using command prompt. Beginner can use latest ADB launcher located at desktop. Ok. Et du coup, alors le fameux unsigned driver installer, il nous fait quoi? Il cherche les points inf jusque-là, hein, rien de choquant. Ensuite, il va tac tac tac, j'ai pas trop compris, il essaye de se faire en tant qu'admin, d'accord. Ensuite, il va récupérer encore. Ok. Il va chercher un certificat pour la signature des drivers.
y rajoute les certificats dans le magasin de certificats de Windows, évidemment, hein, parce que pourquoi pas. Quand Adrien m'a dit, est-ce que tu vas le faire sous Windows ou Linux, j'ai dit, bon, oui, je vais le faire sous Windows, ce sera plus simple. Quel naïf j'étais. Alors après, là je suis là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Non, là c'est Android Studio. Si vous développez sous macOS ou Linux, vous n'avez pas besoin de pilote USB. Incroyable, hein. Alors. Ah, c'est bien, OnePlus n'est pas dans la liste. C'est un bonheur. Quel enfer. Si vous ne voyez pas, machin. Ok, ouais, mais le problème, c'est que OnePlus... Ça m'étonnerait qu'on ait les drivers quelque part. Assistance. Service de réparation, ça m'intéresse pas. État de service, on s'en fout. Guide vidéo, clone téléphone. Je rêve ou sur le site web, il propose rien à télécharger Non. Non, bah non, ça c'est les mises à jour pour les téléphones. Oh! Ils proposent tout? Ah ouais! Bon, de toute façon, on voit un hein, 10 octobre 2016. Mais ça, c'est les ROM, mais ils expliquent même pas comment... Quoique, file transfert, c'est quoi? Oui, non, mais du coup, c'est pas pour l'installer à la mano. Évidemment, il fallait que ça nous chatouille en cours de route. Hein. Bon, déjà, les drivers USB, là, a priori, ils sont pas, ils supportent rien. Comment on les supprime? Universal ADB driver. Désinstaller, désinstaller, après tout. Voilà. Hop, alors... Ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on tente ce truc là ou pas? Parce qu'on a vu que les Naked ADB Driver, c'est pareil, c'est un vieux truc. Le problème c'est que ce truc là, je suis pas sûr que. Enfin, ce truc là, je suis pas sûr qu'il fonctionne pour tout. On va le brancher comme il nous le suggère. Il a dit quelque chose lui pendant ce temps-là? Non, rien. C'est pas la peine de... Bon bah, ouf, on va le tenter, hein. On va pas...
On y va, hein. On va relancer une session de PowerShell. Je vais le fermer. On va relancer une session de PowerShell. Ah oui, je suis en fastboot, donc du coup, il ne va pas le voir. Est-ce qu'on va tester non, pas machin. Plus X-Files. Ça va être chiant cette affaire. Il ne voit pas. C'est relou. Bon. Je sais même pas comment on sort du mode fastboot. Ok, bon, j'ai réussi. Juste rester plus de 10 secondes appuyé sur le bouton. Ah, du coup, il me l'a éteint. D'accord, ok. On va le rallumer. J'ai le lecteur CD de OnePlus qui vient d'apparaître. Alors vous, vous voyez pas parce que la notification elle est planquée, mais... Et hop. Ouais, je sais, c'est pas grave. Horloge s'est arrêté. Oh la vache. Bon, déjà, il a redémarré. On continue de le voir dans ADB. Donc pour moi, je pensais qu'on était bon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pénible. Alors, du coup. Donc le truc avec le script, ça ne marche pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit... Reboot bootloader. C'est comme ça qu'on rentre en mode fastboot. Peut-être qu'il fallait recommencer de zéro. Alors c'est pas le point slash adb du coup. On peut juste faire ça comme ça. Voilà. Ensuite. On reprend fastboot. Il nous refait encore le truc du waiting for any device. Est-ce qu'il faudrait pas le lancer en tant qu'administrateur de PowerShell? Oh, ça va être chiant ça, s'il faut faire ça. Non. Ouais, voilà. Hop. Alors.
Nope. Génial. Alors, si on reprend notre gestionnaire de périphérique, qu'on... Il n'y a pas un truc de... Il n'y a pas de pilote compatible pour ce périphérique. Recherche. Non, non! Non, 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 non. Hop, t'es gentil, merci. Mettre à jour le pilote, parcourir en poste de travail, parcourir. Non, je vais rien avoir dans, dans le dossier. Dans le dossier OnePlus, il m'a rien gardé le script de mes deux là. Oui, a priori c'est un peu ce qu'il nous faut. Bon, a priori ça va être ça, mais... Alors, t'es où? T'es là. Hop. Alors. Non mais ADB et Fastboot, j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin. Device driver, yes. Ok. Alors, est-ce que... On débranche... On rebranche... Non, il ne dit toujours rien, hein. C'est quoi ça? Non, ça c'est la streamcam. Donc ça ne sert toujours à rien. J'en ai plein le cul. On va finir par tenter de le faire sous Linux avec ces conneries. Si vraiment ça marche, je vous jure, on est sur quelque chose. Hein. J'ai fait quoi? C'était contrôleur X3.
Non, c'était sur celle-là, c'était pas sur celle-là. Ce sera quand même gonflé qu'on y arrive sous Ubuntu. Mais bon, arriver à ce niveau-là. Hein. Parce que là, à mon avis, à cause de l'âge du téléphone, c'est la nique pour avoir les drivers. Donc, en soi, a priori, Qualcomm, ça serait bien celui-là, mais ça me. On peut éventuellement tenter celui-là à force. Ah mais c'est pareil, il date de 2014 le bordel. Moi le téléphone il date de 2016 donc a priori. J'ai installé une quantité de merde là. Hop. Bon, lui c'est le setup. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est que cette connerie. Non mais à tous les coups ça va me casser les couilles encore. Ah ouais, Ubuntu et je démarre une Manjaro. Oh c'est bien. En même temps c'est parce qu'il y a le Stream Deck. Ah c'était sur une Manjaro qu'on avait fait le Stream Deck machin. D'accord. Bon, avant de... Non, toi tu m'emmerdes, tu sers plus à rien. J'ai fermé le gestionnaire de périphériques, d'accord, évidemment. Ouais, il détecte pas. Hein. Il détecte absolument pas. Ah, alors en fait, on pourrait installer. Ok, alors on va quand même tenter ce truc-là, on va voir un peu. Ah non, 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 bah non, ça demande de redémarrer l'ordinateur. Bon, bah c'est mort. Non, bah on va garder ça, on va refaire. On va la jouer autrement. Du coup. Je me souviens plus, est-ce qu'on avait paramétré un... Non, on n'a pas mis de dossier partagé, bah tant pis. Tant pis, tant pis, normalement. Si j'ai fait ça bien. Oui, c'est normal, il n'a jamais été démarré. On va retourner chercher... La ROM, on va pas s'emmerder. Je vais traduire les pages en anglais.
On va laisser télécharger ça. Pendant ce temps-là. On va chercher. Oh putain. Vite. Pitié. Liste de filtres, il est en train de les mettre à jour, parfait. Ah, c'est bon. Hop. Ouais. Du coup, alors oui, ce que je voulais faire, USB. Tu marcheras pas, c'est pas la peine. Hop, on va fermer. Donc, est-ce que c'est pas, non, c'est pas trop petit dans la VM. Non, ça va encore. Hein. Émulateur de terminal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Android SDK Platform Tools, c'est parfait. Android-SDK Platform Tools. Je me souviens du mot de passe du compte. J'ai vraiment fait de la merde sur cette VM. alors, du coup, hop, on est là, on a ça. Donc là, normalement, si je fais un LS USB déjà pour commencer, on voit, alors il nous dit Xiaomi Redmi 2 fast boot. Pourquoi pas? En tout cas, c'est le bon téléphone et on est déjà en fast boot. Alors, oui, du coup, c'était... ok. Eh ben, on va le tenter maintenant. On va le tenter. Alors, on va le tenter en tant qu'utilisateur, mais on n'aura peut-être pas le droit. Flash recovery. On va reprendre. Oui, c'est ça. Et TWRP. On va vérifier quand même. Hein. On va. Alors. On va se remettre sur la page de Fastboot. Flash recovery. TWRP, c'est ça. Ah, parce que là, le problème, c'est que du coup, on est hop, FAQ, maintainer, machin, etc. Non, about. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... Ah, ok. C'est que sur la page d'accueil, il n'y a pas le lien. Il n'y a pas le lien pour... Et là, la doc... Elle est du 20 septembre, mais c'est pas la page qu'on a, nous. Ah oui, parce que là, je suis sur la page du One. Ah oui, punaise. Donc, en fait, on était bon. Hein. Ah oui, ok, oui.
Alors, donc on va se remettre là, on va reprendre, on a bien Fastboot, Flash, Recovery, TWRP, machin. Yes! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Device not unlocked, cannot flash or erase. Bon, je vous avais dit hein, que c'était pas gagné, donc si ça se trouve, il est quand même. Je suis censé être en face boot et il me dit qu'il peut pas, qu'il est pas. Donc on serait censé avoir un truc dans les USB debugging, donc dans les options développeurs. Bon, bah on va rééteindre le téléphone, on va le rallumer, on va voir si on n'a pas oublié un truc dans le menu. Hein. Putain, faut vraiment rester appuyé longtemps pour l'éteindre. Hein. Ah, et là, il démarre. Tout à l'heure, il m'a... D'accord. Tout à l'heure, il s'est éteint complètement. Bon. Voilà. Vous voyez déjà, effectivement, sous Linux, il nous a dit qu'on était bien... Qu'on avait bien le... Il a tenté de flasher l'appareil tout de suite. Hein. Il s'est pas posé, il s'est pas posé 50 millions de questions. Il n'y a pas eu 50 millions de bricolage à faire. Bon, oui, toi, ta gueule. Alors, il a redémarré. Alors, il a redémarré. On va tenter d'aller dans les options. Alors du coup, bah, ça sera quand même pas très lisible pour vous. Hein. J'en ai bien peur. Alors, option pour développeur. Ah, déverrouillage OEM. Punaise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les fonctionnalités de protection de l'appareil sont désactivées tant que ce truc. Bah oui, en même temps, c'est le but du jeu. Putain, c'était juste là, je suis trop con. Bon, ADB. C'était quoi? Reboot. Bootloader. Ok. Démon not running. Donc là, il le démarre. No device simulator found. Ah! Ah, elle est originale, celle-là. Parce que du coup, il a redémarré et que c'est plus le même appareil et que du coup, je le vois plus dans le. Bah oui! Voilà! Ah oui, bah oui, et puis du coup, je suis obligé de l'autoriser. Voyez. Donc, vous voyez le message, hein. En fait, il y a une empreinte. C'est un peu comme du SSH, en fait, où il faut autoriser le truc. Bon, allez, redémarre-moi. Il est en fastboot, donc on remet le fastboot. Et là, on refait fastboot, flash. Et ça ne marche pas. Mais quel enfer. Ah non, mais je l'ai pas coché, je suis con. Putain. Ah, can't attach. Oh. Alors là, il gueule. Busy with previous request. Ah, faudrait peut-être que je le débranche. Que je le rebranche. Plus il est un peu raide. Ah bah, ok. Device not unlocked. Ah bah, pourtant... Ah mais non, mais c'est quoi ça?
Oh, c'est surprenant ça. Alors je vais quand même vérifier, ça me paraît bizarre cette histoire. Non, là lui c'est bloqué. Ok, donc là il a redémarré. Normalement il n'y a plus rien de... Voilà, il est débranché. Oui, toi tu te... Ta gueule. Hop. Oh, ah alors oui, je voulais retourner dans les menus. Pardon. Non, bah le déverrouillage est activé, mais ça, on va fermer parce que ça ne sert plus à grand chose. Alors en vrai, vu que le téléphone il a redémarré, peut-être que sous Windows. Alors je sais pas pourquoi il apparaît deux fois. Et là, il va me dire. Bon. Alors là, il dit rien déjà. Je sais pas ce qu'il est en train de foutre. L'anti-malware qui est en train de râler. D'accord. Enfin, il est pas en train de râler, il est en train de faire son travail. Laisser faire, hein. On va le laisser faire, on va continuer à chercher pendant ce temps-là.
Alors. Il est toujours en train de... Donc l'install USB driver, il bouge toujours pas, il est toujours pas fini. Il est toujours en train de mouliner, l'anti-malware est toujours pas... Il est en train de péter un câble, le bordel. Allez. Retour à Windows 2000. Entrée réseau, ça c'est moi. Quoique non, là on est sur de la réception. Ah mais oui, mais ça c'est le... Oh, putain, 5 mégas le flux de la caméra. Oh la vache. Ok. Ah, mais Steam a encore démarré. Ouais. Oui, donc l'antivirus est en train de bosser, il log des choses, il est gentil, mais... Tableau de bord de sécurité... Menace actuelle. Historique de protection. Aucune action récente. C'est vachement pratique ça. Mise à jour de la protection aujourd'hui à 17h. C'est-à-dire quand j'ai allumé l'ordi. Protection du compte, il n'y en a pas. Ah si, il y en a une. Je me protège de Microsoft, c'est un compte local. Bon, pourquoi il galère autant, lui? Il galère très fort. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Bah sinon, on l'annule. Hein. Allez, hein. Alors là, la grosse blague, c'est que le téléphone... Il y a le driver. Hein. Mais est-ce que c'est le... Du coup... Ouais, c'est driver Microsoft. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les drivers qui viennent du téléphone. Est-ce qu'on aurait moyen de les extraire à la main? À tous les coups, il prend quoi? Lui, il lance le OnePlus Setup et en fait, l'icône, c'est celle du driver setup qui est là. Tiens, il fait quoi lui? Il fait un machin, il rajoute un tilde Android, un ADB USB.ini. Il rajoute un truc. Il crée. ADB should be OK. ADB machin. Ok, bon. Alors, revenons là. Hop. Revenons là, revenons là. Pourquoi il nous gueule dessus alors qu'on a encore... On a bien le...
Le déverrouillage OEM, donc c'est lui hein, qui est censé nous dire autoriser le déverrouillage du chargeur d'amorçage. Ça on ferme. Non, ça c'est pas déconner non plus, c'est pour Windows. On a vu que c'était pas Windows, enfin qu'on pouvait passer par la VM pour bricoler, donc on va passer par la VM pour bricoler, je m'en fous. Ça me dérange pas. Moi ce qui me fait peur c'est que le anti-malware il est toujours à 20% alors qu'il branle. Je sais pas ce qu'il branle en fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le truc il a 25% de CPU. Faut dire que je lui en ai bourré des trucs, mais Vidéo Edge Justin TV. Il y a encore des restes. J'aime ça. Mais ouais, par contre, putain, ça me chatouille cette histoire. Bon, on peut pour l'instant continuer de bosser, c'est pas très grave. Là, il me dit que la recovery, elle fait zéro, alors du coup... Ah, oh, sympa, les gars. On supporte plus, on ferme, au revoir, démerdez-vous. Sympathique. OS, donc ça c'est pour un machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Size 0, mais ça j'y crois pas. Formater, repartir de 0 à OnePlus. Non. Restore stock, ça m'intéresse pas. Ah. Ah, intéressant. Alors, do you open Facebook as administrator? On fera X-File, donc du coup, avec sous Linux, il faudrait que je le... Alors, on va le... Est-ce qu'on peut le... Là, il le voit. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut lui envoyer le mode bootloader, donc c'est un peu chelou. Ensuite. Ouais, là, il gueule encore, donc on va le... Hop. Là, il nous dit, on a un OK. Ok, on voit bien le mode faire le fastboot là. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire un sudo. Ah, bah non. Toujours pas, toujours pas, toujours pas.
là, il y a un mec qui a le problème avec Reddit. Enfin, sur Reddit. Pour les Essential Phone. Voilà. Une histoire. Ah, je peux tenter de boot un truc en fait. Je peux directement tenter de boot le TWRP, mais sauf que je vais avoir un problème après si j'essaye de flasher, ça va gueuler. Ok, il y aurait des histoires. Oh, encore des histoires de port USB. Non mais foutez de ma gueule. Le problème c'est que là le câble il va pas être assez long. Je vais vous perdre le téléphone. Ça va être un foutoir si jamais je dois le déplacer et que je dois aller brancher sur un port USB à la con, genre un port USB 2. Parce que c'est un téléphone USB 2 et qu'il est branché sur une prise USB 3. Et que j'ai déjà eu le tour avec cette histoire de webcam hier. Que ça va me gaver très fort. Que j'en ai plein le cul. Voilà, c'est violent comme truc. On s'en fout. Spécifier un port USB, ce machin. Skip reboot, on s'en fout. Skip secondary, on s'en fout. Verbose output. En mode verbose. On fait ça comme ça. Donc on dit que la taille maximale c'est 500 machin. Nous on a une taille de 16 mégas. Même pas. Ça, on l'a lu tout à l'heure.
Ah, on peut le tenter comme ça aussi. On peut booter le TWRP et tenter de le flasher depuis la RAM. Effectivement. Même si j'y crois moyen. Bah on dit, hein, de toute façon, on en est. Là, on en était où? On en était là. Donc du coup, on va boot hein, directement. Fast boot. Boot, on va voir si on a besoin de sudo. Device not unlocked cannot boot. Alors, pourquoi on est censé avoir... Ah, ce qui est marrant, c'est que le message, il concerne les OnePlus 2. Donc, bon, on est dans le même... On est dans le truc. Ah, fast boot, OM, unlock. Et on pourrait le tenter comme ça. Alors, on va le tenter. Fast boot, OM, unlock. Peut-être qu'en fait, effectivement, là, il nous dit OK. Ça se trouve, quand il démarre en mode fast boot, en fait, il prend pas le truc. Là, il nous dit OK. Et donc, c'était quoi l'autre? Faire fast boot, OM, device info. Ah, pardon. Unlock will erase user data continue. Ah, bah voilà. Alors, bah ouais, on s'en bat les couilles. Ok, bon, on va le laisser faire alors, du coup. Oh putain! Ouais, donc ça, c'est normal, du coup. Ah oui, donc là, du coup, il me fait le même bail qu'avec. Il me fait le même bail qu'avec le HTC. Ce qui est particulièrement frustrant, on va pas se mentir. Vous voyez hein, à quel point j'en ai rien à branler du téléphone. Il nous a dit, oh, on va supprimer les données utilisateurs. Vas-y. Vas-y, ça fait 5 ans que j'y ai pas touché au téléphone. Et longtemps qu'il n'y a plus rien dessus. Problème, c'est que du coup, maintenant, il va reprendre le démarrage de zéro. Alors, compliqué cette histoire. Alors par contre, ce qui va être intéressant, ça va être de voir s'il va me casser les burnes avec la configuration du compte utilisateur. Il est bouillant. Il est bouillant. La vache. Hop là, pardon. Épaule dans le micro. Ouais, bon. Attendre, hein, de toute façon, on va pas. Il nous a déjà sorti le. Le lecteur CD. Il fait quoi déjà le script?
Il rajoute le customer. Ah, sérieux? Ah, j'ai pas de caméra thermique ou de sonde de température à vous montrer, mais il est vraiment chaud là le téléphone. Je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Mais il est bouillant. Est-ce qu'il va survivre à l'opération? Est-ce qu'il va survivre à l'opération? En tout cas, hein, bizarrement, comme par hasard, c'est plus simple à faire sous Linux que sous Windows, cette histoire. Et finalement, on est bien content de l'avoir, cette petite machine virtuelle supplémentaire. Parce que je vous cache pas que, bon, avec le laptop, ça aurait été bordélique. Il y a tellement de trucs perso sur le... Enfin, perso. Il y en a aussi sur le PC Windows, mais... J'en ai vraiment dans tous les coins de partout. Il n'y a rien qui est rangé pour éviter de vous montrer des trucs un peu trop perso sur le PC, sur le PC Linux d'origine. On est bien avec la machine virtuelle. Hein. Finalement, on voit que ça fonctionne. Ça avait fonctionné pour le Stream Deck. Pour ceux qui l'ont pas vu, on avait bricolé avec mon Stream Deck. On avait testé de. Une application communautaire sous Linux pour pouvoir. Oui! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va changer la date. On va changer la langue. Suggested, English, espagnol. C'est bien, t'as tout compris, Jackie. France et France. Hop. Bienvenue. Clavier Google, clavier SwiftKey plus emoji. Peste ou choléra? Et peste. Réseau, on s'en fout. Ignorer quand même. Régler l'heure. Heureusement qu'on lui a dit France et France. Allez, j'ai pas vu Paris dans l'histoire. On est à plus 3 en ce moment ou... Ah non, Dubaï, c'est plus loin. Attends. Je suis con ou je suis con? Moins 4, moins 3, moins 1, nous on est à plus 1 ou plus 2, hein, grand max. Alors j'ai raté Paris? Non. Bah. Bruxelles, Madrid, mais pas Paris. On va mettre Madrid. Hein. De toute façon, 2016. Ah non, non, non. On va lui mettre quand même une bonne date. 2024. Septembre, on est le 20. L'heure, il est beaucoup trop tard, puisqu'il est 22h45. Suivant. Vivant, on protège pas l'appareil, on ignore, aidez les applications à détecter votre position, aidez-nous à améliorer l'expérience Android, hop, programme d'installation OnePlus, utilisez les boutons logiciels, non, les gestes, oh le double tapotage sur l'écran, je vous jure ça me manque sur les téléphones récents. Votre appareil est terminé. Il me demande pas de paramétrer de compte Google. Incroyable. Ok. Bon bah let's go. Hein. Alors par contre, bah du coup, vu que le téléphone est tout prêt, à propos du téléphone. Alors, c'est pas ça du coup. Ça va être quoi? État du téléphone. Numéro de série. C'est celui-là, je sais plus. C'est pas ça. Numéro de build. Ok, c'est là. Vous êtes désormais un développeur.
Voilà, et donc si on revient en arrière, option pour les développeurs. Le déverrouillage OM est déjà activé, parfait. Du coup, on va activer le débugage USB. Là, il y a ADB. Alors, je crois que c'est l'ADB Windows, du coup, qui a tenté de faire quelque chose. Parce que là, au niveau de la VM, ouais, c'est ça, on n'a rien qui est connecté. Et là, si je tente... Ouais, voilà, là, il redemande. Donc là, OnePlus, ok. Du coup, là, on nous fait un fastboot. On va tenter de... Non, il nous faut un reboot. Hop. Reboot bootloader. On va le tenter comme ça, quand même. Ça m'intéresse. En fait, c'est parce que j'ai toujours le... C'est parce que là, j'ai toujours... C'est quoi? C'est ADB. C'est le serveur, en tout cas, ça. Qu'il arrête de me casser les burnes. Là, on refait... Ah. Ouais, non, mais voilà, il me refait le coup du... Ok, là, il l'a pris. Et là, je le vois. Ok. Et donc là, si je flash... Alors, sans le sudo. Et là, c'est passé. Ok. Oh, on va enfin pouvoir refaire le... Alors, si on fait maintenant le fastboot reboot. Le téléphone redémarre. Ok. Hold key combo. Alors, le key combo et le machin, je crois que c'est... Je sais plus. Quand on fait ça, ouais, ça c'est le truc normal. Mais en fait, c'est, je crois, il faut l'éteindre. Le key combo, en fait, c'est le c'est les comment les combinaisons de touches. Donc normalement, on est censé appuyer sur ces volumes haut ou volume bas et le bouton de et le bouton home. Si je fais ça. Alors déjà, OnePlus Shenzhen, ok. On va refaire le reboot bootloader, voir ce qu'il nous dit. On est encore en fastboot. Ah, je suis con. Ok. Donc là, on a un device unlocked true.
Ah, d'accord. Donc on est peut-être dans le cas où... Alors comment je... Je suis en train de chercher, hein, je... Est-ce qu'il nous raconte un truc? Gna gna gna, compréhensive one guy. Non, vous voyez, normalement, ça devrait ressembler à ça, en fait, quand on redémarre après. Mais... Ça c'est fait, donc ça a été un peu plus galère, mais on a réussi. Ah oui, d'accord, donc ça c'est les messages de base du One Plus 8 pour dire ouais, gna gna gna, ok. Donc du coup, ensuite il nous faut download the latest machin, d'accord, donc là on l'a. On a le recovery, ensuite. Ah, c'est bien, c'est le boot your phone in recovery mode now. C'est bien, comment on fait pour. C'est quoi le recovery quand on... C'est pour ça que je me dis, il y a un truc qui... Il me semble que c'est ça, hein, c'est le... Je vais essayer de me mettre bien. C'est effectivement le Recovery One Plus, c'est pas TWRP. Ah. Bon. Alors. Ouais, reboot to fast boot, il n'y a pas de souci. On va reprendre le fast boot, on va rebricoler, on va reflasher. Donc effectivement, ce que la doc dit sur le fait qu'il réinstalle le fast boot d'origine, c'est bien le fast boot d'origine. Alors, du coup. Enfin, le recovery d'origine. Ferme-moi ça. Arrête de m'emmerder. Elle est où là? Elle est là. A priori, il l'a pris. Ok, il y en a un, c'est parfait. On revoit ça, on fait un LS USB, on a bien. Du coup, on va reflasher Recovery. Donc là, il nous dit que c'est bon. Maintenant que c'est bon, on va directement redémarrer en mode recovery. Donc c'est bien le. Bon, je vais mettre. En fait, j'ai tellement zoomé le truc pour que vous voyez que le téléphone. Donc en fait, il faut rester appuyé sur volume bas et le bouton pour le redémarrage. Un bouton power. Donc du coup, on reste comme ça jusqu'à ce qu'il redémarre. Moi personnellement, je reste appuyé. Hein. Tant que je vois pas le... Voilà! Le Recovery Project. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit?
Keep system read only. TWRP can leave your system partition unmodified. Non, vas-y, on veut des modifications. On veut des modifications. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Si jamais. Qu'est-ce qui. Donc là, c'était dans la doc d'installation. Many devices. Once TWRP is booted, we'll patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. Donc là, normalement, à partir de là, on n'est plus censé avoir de problèmes. Du coup, on a les settings, signature vérification, prompt to install TWRP app not installed. Donc là, il ne nous l'a pas demandé, donc c'est qu'a priori, il l'a bien détecté comme il faut. Simulate action, machin. Là, si je fais install, je suis censé voilà, récupérer quelque chose sur le stockage actuel d'un truc qui s'appelle SD card dans lequel je suis censé pouvoir mettre le truc. On voit d'ailleurs qu'il y a un dossier TWRP. On voit qu'il reste un dossier Telegram, SMS contact, backup, machin, etc. Il n'y a pas de carte SD, hein, je précise. Le téléphone n'a rien, mais en fait, le stockage interne est découpé comme ça. Donc, du coup, potentiellement, je peux aller récupérer, enfin, foutre l'image non officielle sur le stockage interne pour ensuite le télécharger, enfin l'installer depuis le stockage interne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre du coup? Moon settings, advance, reboot. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, j'ai quoi? Après j'ai advanced. Je peux faire quoi? ADB sideload, c'est quoi? Swap to start sideload. C'est quoi l'idée si je fais ça? Ah, je peux peut-être Ah mais là il le voit pas. Pardon. Ben ouais. Ah, il est reparti là, d'accord. Ok, alors du coup, je peux faire ADB -help sideload OTA package. Ah, on peut faire ADB, alors est-ce que... Ouais, ADB sideload. Ça, on fournit directement le fichier. Mais est-ce que le full OTA package, c'est un point zip, ça marche, ça? Swipe to unlock. Ok. Il l'a chopé. Il a trouvé le fichier. Oh putain, c'est lent du cul. Oh. Ah. Oh là là. J'aurais pas dû le faire comme ça. C'était peut-être pas la meilleure façon. Ah, puis là, c'est trop tard. Encore que non, je crois pas, hein, parce que là, il est un... Quoi qu'il dit patching... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il dit qu'il est en train de patcher l'image système. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est en train de l'extraire au fur et à mesure qu'il la reçoit. Ce qui me paraît surprenant pour un point zip. Ou alors, en fait, ADB le dézip en... Oh la vache. Ok. Bon, en vrai, je pense que la méthode la plus propre aurait été de foutre le point zip sur le téléphone et de faire l'installation directement au local sur le téléphone. Bon, ceci dit, on est déjà à 10% et de toute façon, on déborde déjà, mais j'ai envie d'aller au bout du truc. Vraiment, si j'arrive à démarrer la Lineage dessus, ce serait vraiment bien, ce serait cool. Mais vous voyez que c'est très bordélique. On en revient à ce que je disais au tout départ. Hein. C'est ultra bordélique. Les informations sont vraiment pas consistantes, les drivers j'en parle même pas, c'est un foutoir.
Comme on dit, hein. Utiliser du Linux, pitié, ça marche mieux. Puisqu'au final, on n'a pas réussi à le faire sous Windows. Ce qui finalement me plaît bien, hein. Je vais pas mentir. Ça aurait quand même été mieux d'avoir des drivers qui fonctionnent, mais on le rappelle, le téléphone a été sorti en 2016, abandonné la même année. On est en 2024. Quand le téléphone est sorti en 2016, et Windows 10 avait un an. On l'oublie, ça. Et Windows 11 en a déjà deux. Vous voyez un petit peu le truc où on en est. Donc forcément, il y a des problèmes de drivers sous Windows. C'est comme ça. Et du coup... ça peut être compliqué. Et finalement, Linux s'en sort bien mieux que nous. Alors paniquez pas, hein, le téléphone est toujours vivant. Le truc, c'est que comme il est... voilà. Il verrouille l'écran au bout d'une minute et qu'il l'éteint, j'ai pas envie de bidouiller toutes les deux secondes. Donc je le laisse faire. Putain, on voit que le téléphone, il est... Ah, il nous dit 50 degrés, hein, et le fait est que c'est pas si chaud. Il était beaucoup plus chaud quand il était en train de le réinitialiser. C'était beaucoup plus chaud pendant la réinitialisation. Bon, on est déjà à plus de 20%. Enfin, on est déjà à 20%, 21%. Hein. Ce qui est marrant, c'est que la barre sur le téléphone, elle avance beaucoup plus vite. Je sais pas comment on doit l'interpréter. Ça fait peut-être un peu peur. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est en train de flasher. Et donc, vous voyez, on est sur un système non officiel. On est sur un téléphone donc, qui a eu beaucoup de mal à fonctionner. Enfin, pour lequel on a eu des difficultés parce que le menu de base des options développeurs ne fonctionnait pas pour déverrouiller le téléphone. Ou alors on a raté un truc, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on a décoché le truc, il nous a juste dit « Non, mais faites attention, sécurité, tout ça, oui, ok, pas de problème. » Et puis après, il nous a laissé comme ça. Là où c'est surprenant, voilà, c'est qu'il ne nous a rien demandé de plus. Effectivement, il ne nous a pas demandé. Bon, via Fastboot, on a réussi à le faire. Fastboot, OEM Unlock, nous a dit « Voilà, attention, est-ce que vous voulez le faire ?» Faites gaffe, ça va réinitialiser le téléphone, oui. Donc, encore une... Pareil, autre chose, voilà, le jour où vous voulez le faire, faites bien gaffe, full sauvegarde de tout avant. Je sais pas si un jour on se penchera sur les solutions de sauvegarde pour les téléphones Android. Sachant que, moi, d'expérience, tout ce qui est SMS, vous avez des applications faciles, SMS, MMS... Les fichiers, j'en parle même pas. Contact, pareil. Je crois même que l'application que j'utilise, j'ai même les historiques d'appels. Et là où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus délicat, c'est toutes les données. Les données des applications. Ça, c'est une merde. C'est particulièrement compliqué. Moi, il y en a certaines où j'ai pas eu trop de problèmes. Parce que, bah, typiquement... Enfin, j'en ai eu un petit peu, mais c'était de ma faute et je m'étais planté. Mais pour FreeOTP, donc pour mes seconds facteurs d'authentification, j'ai une fonction d'export. Donc j'ai exporté, j'ai copié, j'ai réimporté. Sur un de mes jeux, j'ai pu exporter la base de données, la réimporter, donc les 20 000 puzzles que j'avais déjà fait, j'ai pas eu besoin de les refaire. Et c'est à peu près tout. Les autres applications... Ah, Firefox, j'ai le compte Firefox, donc voilà, il n'y avait rien à sauvegarder, je me suis pas emmerdé, j'ai réinstallé Firefox, j'ai reconnecté mon compte Firefox, et j'ai récupéré mon historique et... Enfin, pas tant l'historique, je le synchronise, historique et favori. C'est les seules choses que je synchronise. Tout ce qui est mot de passe, je synchronise pas, les téléchargements, je synchronise pas, les onglets ouverts, je les garde pas, parce que d'un navigateur à l'autre, d'un PC à l'autre, d'un appareil à l'autre, je fais pas la même chose, donc
Sur le téléphone, j'ai 2-3 onglets de Firefox. Sur le laptop, en ce moment, j'en ai une quarantaine. Et là, sur l'ordi de bureau, on voit qu'il y en a 53. Donc, vous voyez, on n'est vraiment pas sur le même usage. Donc, forcément, je regarde un peu. Ce qui me fait peur, c'est que là-bas, d'un côté, on est à 42%. Et sur le téléphone, on est déjà à 80 et quelques. Là. Ça me fout un peu les boules. Ou alors, en fait, il y a plus que le... Parce que là, en fait, oui, il sert le point zip global. Mais dans le point zip, il y a plein de trucs. Et à tous les coups. La barre de progression, elle est que pour le système image. Et qu'il y a encore d'autres trucs à côté qui doit déglinguer. On n'est pas à l'abri de ça. Donc je disais, voilà. Et en dehors de ça, sinon... Je n'ai pas réussi à transférer des historiques. Ah non, pour lui, le système, il a été. D'accord. Donc en fait, la vitesse de transfert sur le PC n'a pas été bien. Allez. On reboot. Installer la TWRP app pour les nouvelles machins. Donc non, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Quoi qu'on pourrait, mais normalement on n'en a pas. On nous demande de l'installer. Hop, allez, redémarrage du téléphone. Et donc là, normalement, souvent sur le papier, après le logo Android, si tout se passe bien, c'est un logo. Voilà, nous avons donc un logo Lineage. Donc sur le papier, s'il va jusqu'au bout, alors c'est le premier démarrage, ça peut être très long, hein, on va pas se mentir. Pendant ce temps-là, merde. J'ai entendu Android biper plusieurs fois, donc... Oh, putain, et là j'ai l'anti-malware qui continue de pleurer du sang, là, je sais pas ce qu'il fout. Donc on a vu, hein, c'est comme pour le premier démarrage de... Oula. J'ai tapé dans le mât. Eh ben non, même pas tant que ça. Bon, dis. Alors. Finalisation de la mise à jour du système. Ok. Oh, putain, il a démarré. Je reviens pas. Il n'y a pas de carte SIM, je confirme. Découvrez Trust. Comment garantir la sécurité de votre appareil? Ça m'intéresse pas. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, les paramètres, mettre à jour le mode ne pas déranger. Alors, est-ce qu'il supporte bien le... Ah ouais, il supporte! C'est cool. Une des particularités du OnePlus X, c'est qu'il avait un petit slider, là, que j'ai toujours adoré, qui m'a toujours manqué dans les autres téléphones. Là, je suis en mode sonnerie. Là, je suis en mode, je sais plus, un truc intermédiaire, et là, je suis en mode vibreur. Et ça se traduit par le statut de la petite icône que vous voyez, alors que vous voyez peut-être là-haut. Vous la voyez, donc là, je suis en haut, je suis en mode vibreur. Là, je suis tout en bas, je suis en mode normal. En plein milieu, vous voyez qu'il y a un petit ne pas déranger. Le mode ne pas déranger a été modifié, donc oui, voilà. Ça c'est normal parce qu'en fait il vient d'être paramétré. Aucune notification sonore. Voilà. C'est un peu bizarre. Normalement ça devrait être intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a le vibreur là et le ne pas déranger tout en haut. Alors ce qui m'intéresse. Version d'Android. Android 11. Voilà, voilà. Nous sommes passés d'Android 6 à Android 11. Alors évidemment, voyez, mise à jour de sécurité Android, 5 avril 2023, nous n'aurons pas mieux. Mais c'est quand même mieux que de 2016. Pour la bonne et simple raison que de toute façon, derrière, c'est déjà du bricolage. Alors c'est un autre point sur lequel je vais venir et pourquoi en fait on a de vrais problèmes, même si je l'ai déjà évoqué. On a de vrais problèmes avec le... Comment ?
Ah, putain, il est chaud, hein. Il est très très chaud. C'est enfin, c'est compliqué, hein. On a de vrais problèmes sur Android avec la durée de vie des versions officielles et même non officielles, hein, à cause des pilotes matériels. Sur le papier, en fait, ça je l'ai expliqué dans un très vieil article de blog, si vous voulez qu'on le déterre un peu pour la blague, hein, je sais plus. Tac, tac, tac. Je crois que c'est... Nous sommes envahis par les PC. Ça date de juin 2016. Oh, bah tiens, la même année que le téléphone, dis donc. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai vraiment pas fait exprès. Mais qui vous explique, grosso modo, qu'en fait, techniquement, un smartphone, c'est un... C'est un ordinateur qui a... un processeur, une carte graphique, de la mémoire, du stockage, du réseau. Plein de réseaux, parce qu'on a du Wi-Fi, du Bluetooth, et sur ce téléphone-là, je sais même pas, je suis même pas sûr qu'il y ait la 4G. Je me souviens plus. Mais, et donc, bah, pour tout ça, il faut des drivers. Et c'est là où c'est très problématique dans le monde mobile. C'est que les fabricants de puces, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. On va être très clair là-dessus. Il n'y en a pas déjà, il n'y en a pas 500. Il y en a déjà plus que sur des PC où vous êtes pour l'instant avec Intel et AMD. On a là tout récemment Qualcomm, mais je ne les compte pas encore parce que, bon, même si ça fait déjà 4 fois qu'ils essayent de faire un processeur pour un ordinateur, déjà ils veulent absolument le faire pour Windows et avec des drivers que pour Windows. Et tout ça absolument propriétaire, il y a zéro open source dedans, donc vous ne pouvez absolument pas. Ça vient, mais c'est du vrai boulot de reverse engineering et ça a pris. Là, j'ai vu, ils ont sorti un truc où Ubuntu 24.10 va supporter le 8CX, le Snapdragon 8CX qui est sorti il y a 2 ans. Voilà. Mais il n'y aura pas tout. Voilà. C'est comme ça. Mais et oui, et en fait, les fabricants de on appelle les SoC, hein, des System on Chip, parce qu'en fait, c'est, vous avez sur une puce, vous avez quasiment tout dedans. Comment? Et ben les fabricants vous disent, bon bah nous on va faire des drivers pour une ou deux versions d'Android, puis après démerdez-vous. Achetez les nouvelles puces. Eux, ils ont des nouveaux drivers pour les nouvelles versions d'Android. Tout va bien. Alors, ça marche très bien, on l'a vu, hein. Un téléphone qu'ils ont abandonné en 2016. Alors, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas besoin de le bouger beaucoup parce qu'il y a deux caméras. Le téléphone qui date de 2016, bah, il vient de prendre Android 11. Android 11 qui est sorti il y a 4 ans. Donc en 2020. Donc le téléphone, au bout de 4 ans, il prend une nouvelle version d'Android. Techniquement, ils ont fait une... Je me suis arrêté sur le 18.1. J'ai pas voulu prendre le 20. J'ai pas voulu prendre le 20 parce que... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec... Et pourtant, du coup, le 20, il pourrait être supporté, en fait. Hein, donc, on voit qu'il y a une version d'avril 2024. Mais on voit qu'il y a des problèmes de... Donc, au-delà des problèmes de... Il y a des bugs, typiquement, par exemple, sur la data mobile. Et vraiment, je voulais utiliser le téléphone pour autre chose que... potentiellement un écran de contrôle supplémentaire, ce genre de choses. Voilà. Et LineageOS 20, c'est Android 13. Mais pour faire ça, il faut aller bricoler du kernel. Donc on a de la modification de noyau.
Et c'est toujours un noyau 3. Donc en fait, on est en train... À cause des drivers, encore une fois. Donc en fait, on est en train de mixer un vieux noyau qu'on a déjà dans Android 11, qui normalement a été bien mis à jour dans Android 13. Hein. Android 13, normalement, de mémoire. Si on va sur l'Android open source Android... Project. Sur l'Android Open Source Project, si on veut alors accéder au code, ça nous emmène là-dessus. Si on veut, est-ce qu'on a... Il n'y a pas de tag, il n'y a que des commits. Il n'y a pas de branche. Il se fout de ma gueule. C'est pas branché Ça, c'est juste... Pourquoi c'est pas branché? Comment ça, c'est pas branché? Normalement, il doit y avoir des releases de... Ou alors, il y a quelque chose qui nous... On rate un truc, là. Vraiment? Non, ça, c'est pour le développement. Si on va dans kernel, common Android mainline. Oh, la vache. Ok. Bon, c'est pas si grave que ça, mais il y a beaucoup trop de trucs, ça me fait un peu peur. Si on prend quand même les Android... Je sais pas ce que c'est, les GS. Vous voyez, Android 13, normalement, c'est le noyau 5.10. Pour le vieux Onyx, on est obligé de rester au 3.4 quelque chose, un truc comme ça. On l'avait vu dans le... c'était quoi? À propos du téléphone. Numéro de build. 2023 machin, version d'Android 11. Il y avait une version du noyau, normalement, qui apparaissait... Information légale, contributeur... Ah voilà, fallait cliquer. Version Lineage 18.1.1, 3.4.113, voilà, c'est ça. Et donc ouais, on est censé avoir un noyau 5.10, mais bah, comme le fabricant a abandonné la puce en 2016, et que la puce n'a pas non plus été utilisée dans un milliard d'appareils, et bah les drivers... On n'en a pas, même en open source, parce que de toute façon, en plus en open source, comme Qualcomm ne fait absolument aucun effort sur le sujet, c'est forcément des efforts communautaires, parfois par des entreprises qui font de l'embarqué et qui ont besoin de ce support-là et qui décident de le faire elles-mêmes. Ça prend du temps, ça demande des ingénieurs avec des cerveaux de l'enfer. Et parce qu'ils sont obligés de taper dans du matos sans absolument aucune aide du fabricant original de la puce. Et Qualcomm fait ça en permanence, et c'est le leader mondial. C'est pas une bonne nouvelle de les voir arriver sur PC, moi je vous le dis. Hein. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon, un truc comme ça. Déjà que Microsoft, en ce moment, avec Windows 11, il nous casse les couilles avec les prérequis qui laissent tomber les appareils de plus de 4 ans. 5. Si on est poli. Ce qui est déjà une connerie. En termes écologiques, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'on garde un appareil le plus longtemps possible. Tout le monde vous le dira, que c'est pas en nettoyant vos boîtes mail hein, qu'on fera quelque chose pour la planète, c'est en arrêtant de fabriquer trop de trucs. Donc en les faisant durer le plus longtemps possible. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris un Fairphone. Il y a 2 ans. C'était déjà il y a 2 ans. C'est une vitesse. C'est parce que je veux un téléphone. Alors déjà, l'aspect réparable me plaisait beaucoup. Je vous montre pas, hein, parce qu'il sert de caméra, là. Hein, donc, pour celui-là. Mais donc, je suis content. Alors par contre, le problème, c'est que là, maintenant, celui-là, la batterie est rincée. S'il fallait que je la change, la batterie, ce serait une autre aventure en soi. On va pas se mentir. Mais c'est cool, je vais pouvoir bricoler un peu ce week-end pour rigoler, pour voir un peu ce qui est faisable. Les performances pourries.
Les performances pourries, ça c'est aussi quelque chose. Et donc ouais, on n'est pas sur un environnement global qui fait envie. Et du coup, il y en a qui sont choqués quand il y a des gens qui me demandent des conseils de téléphone. Et si c'est des gens qui sont pas prêts à garder un téléphone longtemps et à devoir. Alors, il y a des progrès, on va pas se mentir, je vais y revenir. Mais à devoir faire ce genre de bricolage, qui est la majorité des gens, déjà, ils bricolent pas leur ordinateur. Alors imaginez un téléphone où c'est encore plus fermé, et où on a vu le bordel que c'est, et je me considère pas spécialement comme fondamentalement mauvais. Mais même en suivant les documentations, ça se passe pas toujours bien. Et on a vu qu'il fallait qu'on bricole et qu'on aille sur plusieurs trucs à la fois. Parce qu'au final, même la doc officielle de TWRP, elle n'était pas complète. Elle n'était pas complète. Parce qu'elle partait du principe qu'on savait ce que c'était que le combo... La combo key, donc c'est le démarrage en mode recovery avec le bouton de... Avec le bouton volume. Bon, d'ailleurs, on va faire un dernier essai, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Urgence, marche arrêt. Je vais m'amuser à l'éteindre. On va voir s'il va toujours bien. On va le débrancher. Histoire qu'on ait plus de... Qu'on ait plus d'impact. Enfin, qu'on ait plus de... Hop, et là, on le rallume. Bon, bah, a priori, c'est bon, il n'y a pas de problème pour démarrer. Voilà, donc l'opération est vraiment définitive. Ça me plaît beaucoup. Alors évidemment, comme c'est une ROM non officielle aussi, il n'est pas question, vous voyez, c'est le genre de truc. Comme c'est une ROM non officielle, s'il y avait eu encore des mises à jour, bah, il n'est pas question de mises à jour qu'on appelle over the air, c'est-à-dire que vous allez dans les menus système, vous avez un menu rechercher des mises à jour. Vous tapez dessus, il vous dit, ah, il y a une mise à jour, installer, redémarrer, et puis ça se fait tout seul. Non. Là, faut le faire à la main. Voilà. C'est quand même particulièrement frustrant. Alors du coup, je vous ai parlé de ces histoires de driver ou de pilote, de quoi que ce soit. Et de durée de vie des téléphones, de mise à jour officielle. Faut savoir que sur la partie open source, vous n'êtes pas obligé. Enfin, sur la partie open source, je crois justement qu'ils viennent de mettre à la retraite Android 10. Si je dis pas de bêtises. Ou 11. Non, c'est 11. Oui, bah oui, parce que Lineage, ils ont phase out le 18.1, justement parce que Android 11 partait à la retraite. Bon, déjà, ça m'embête un petit peu, parce que des téléphones qui sont pas passés Android 11, il y en a plein. Des téléphones qui sont sortis avec Android 11, même encore cette année, il y en a. Ça, c'est choquant au possible. Pour rappel, on a Android 15 qui sort là dans pas très longtemps, donc il y a 4 ans entre les deux. Vous avez des téléphones qui sont sortis en début d'année, qui avaient encore un système d'exploitation qui datait d'il y a 3 ans. Alors qu'il n'y a aucune raison. À part peut-être ces conneries de pilote en fonction du matériel qui est intégré. Ça, c'est de la débilité. Je ne le dis pas plus, c'est aussi clair que ça. Malgré tous les efforts pour rendre le système Android le plus facilement... adaptable pour les nouvelles versions, les fabricants ne font aucun effort parce que leur intérêt, c'est de dire acheter des nouveaux téléphones. C'est chiant. Mais, ceci dit, on va quand même conclure sur une note un petit peu positive. Il y a du progrès. C'est pas encore parfait, loin de là. Comme je l'ai dit, par exemple, Fairphone... le Fairphone 4, ils annoncent au moins 5 ans, donc je suis censé encore avoir au moins 3 ans
Et le téléphone n'étant absolument pas verrouillé, ce qu'on vient de faire ce soir et pour lequel on a bien galéré, sera beaucoup plus facile à faire. Par contre, encore une fois, la difficulté, et ça demandera de bricoler comme ils l'ont fait pour le OnePlus, ben, il n'y aura pas de pilote à jour pour les nouvelles versions d'Android, encore une fois. Donc soit, tant que c'est supporté, on peut avoir des mises à jour mensuelles de sécurité pour les téléphones. Et en vrai, ça me convient. J'en ai rien à foutre d'avoir systématiquement la nouvelle version d'Android sur mon téléphone. Côté application, ils viennent de supprimer, j'avais dit, ils viennent de supprimer Android 5. Donc ça veut dire que de toute façon, le support des applications, à moins d'avoir certaines applications qui demandent explicitement les toutes dernières fonctionnalités d'Android, et dans ce cas-là, de toute façon, sur Android, c'est compliqué, mais typiquement sur le Play Store, par défaut, vous ne voyez pas les applications qui ne sont plus concernées par votre téléphone. C'est masqué. Et donc, si vous aviez une ancienne version d'application installée, et que la nouvelle version dit « Bah non, moi, à partir de maintenant, c'est Android, machin, et que vous ne l'avez pas », bah juste, l'application, elle sera plus mise à jour, point. Mais après, c'est au petit bonheur la chance. Si derrière, la plupart du temps, les applications, elles sont faites pour aller se connecter à des services à distance, et que les services à distance disent « Bah non, nous, on veut tel minimum d'applications », bah vous l'avez dans l'os. Donc ceci dit, ça progresse, les principaux, les plus gros fabricants, Samsung en premier, on a aussi Google aussi avec ses pixels, le dernier Pixel 9, là ils ont annoncé 4 ans, c'est pas beaucoup. Alors les pixels de toute façon, eux, ils ont toujours, tant qu'ils sont supportés, donc c'est-à-dire là pour le coup 4 ans, ils ont toujours les dernières versions d'Android qui sortent, donc même les montées de version. Même les montées de version. Ça, personne n'y coupe. Samsung, c'est 5 ans je crois. Samsung a annoncé Samsung Android. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce que vous devez savoir sur les mises à jour, c'est quoi ça? Tac, tac, tac. Pitié, non. Google propose des mises à jour logicielles. Donc la page n'a pas été mise à jour avec Android 13, donc c'est bien. La page n'est pas à jour, c'est un bonheur. Génial, donc c'est pas ça. Alors, ça c'est une rumeur qui date d'il y a 2 jours. Voilà, donc on a 4 ans de mise à jour d'Android, 5 ans de mise à jour de sécurité. Mais ça, on a potentiellement un gros coup de pouce au cul de la part de l'Union Européenne qui... il serait forcé de proposer au moins 50 mises à jour. Sur les montées de version, j'ai du mal à le justifier. Sur la sécurité, encore une fois, hein, la montée de version, c'est toujours une question de pilote. Mais pour la sécurité, par contre, alors ça... parce que vous pouvez avoir toutes les mises à jour automatiques du monde avec Google qui vous dit « Oui, les applications du Play Store, il y a Play Protect, machin, les applications sont signées, on vous protège. » Ils suppriment 25 malwares par jour de l'Android du Google Play Store. Donc c'est des applications qui sont quand même signées, publiées et déployées sur des téléphones. Donc c'est quand même qu'à un moment donné, il y aura des choses en amont. Donc dire qu'ils vous protègent, c'est un vœu pieux. Et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur la sécurité des applications. Si vous avez un socle en merde, eh ben, vos applications sentiront la merde à un moment donné. Il n'y a pas de miracle. Donc, c'est... voilà. Donc bon, je sais pas. Alors là, par contre, on voit typiquement Samsung sur les appareils haut de gamme, comme d'habitude.
Les appareils haut de gamme, faut se rappeler que maintenant, c'est quoi, c'est les Pixel 9. Pixel 9, il y a intégré à partir de 900 euros. On n'est pas spécialement sur du téléphone d'entrée de gamme. Les Galaxy S. Alors, je vais prendre les 24 parce que les 25 sont pas encore sortis. Mais le S24, alors le prix a déjà bien baissé, mais quand il est sorti, 9. Est-ce qu'on a le ergonomie design machin? Écran, performance, autonomie, photo, durabilité. Ouais, interface OS, on s'en fout. Et là, ils annoncent pas les tarifs dans leur test. C'est un peu chiant. Alors, pour le coup. Ouais, vous voyez. On est plus sur des tarifs de 800 euros sur le téléphone. Là aussi. En ce moment. Ce qui veut dire que quand il est sorti, on était facilement sur un 200 euros plus cher, peut-être. Et si on prend la version ultra, alors là, on est sur quelque chose de pénible. Donc c'est sûr que s'il faut claquer un SMIC pour avoir le droit à de la sécurité, ça pique un peu. C'est bien, il s'amuse. On va y arriver peut-être. €900. Voilà. Donc il a baissé, il a même pas baissé de 100 balles depuis qu'il est sorti. Voilà. Hein, voilà, voilà. On n'est pas encore. Et ça, c'est pour les hauts de gamme. Dès qu'on descend en moyen de gamme, c'est déjà un petit peu plus. Voilà. Typiquement, Samsung Galaxy A51. Je l'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté à ma petite sœur. Un des gestes qui est pénible, c'est qu'on n'a que des liens de boutique en ligne. Pitié. Samsung, bordel. Africa, bon, j'ai peut-être pas besoin, mais. Non, France-Français, ce sera déjà pas mal. Hop. Bien, du coup, il m'a réinitialisé. Donc, si jamais je veux voir la gueule du... Rechercher. Produit. Alors. A51 5G. Déjà, dans la boutique, il me met que les derniers. Donc, évidemment, voilà. Les Galaxy A, c'est les moyennes gammes de Samsung. Alors, assistance. Assistance produit. Sujet commun, nia nia nia. Ensuite, gérer mes fichiers, on s'en fout. Créer un compte Samsung, certainement pas. Manuel d'utilisateur. Garantie. Découvrez ce que votre garantie couvre. Samsung Care Plus. Ça va être l'équivalent d'Apple Care, mais chez Samsung. Les live chats. Ils font bien ce... C'est quoi, garantie? Garantie légale. Garantie commerciale Samsung. Donc ça, c'est si vous achetez un truc chez eux. Donc ouais, non. Alors, est-ce que... Samsung... Galaxy Android Security. On va y aller comme ça. Security Support peut-être. Non. Déjà, se dire qu'on a des end-of-life dates. Ça me fout les boules. Je déteste ça.
Je déteste ça. Alors, ceci dit, c'est une bonne source, il y a moyen. Alors, si je regarde... Ah, intéressant. Donc, le téléphone de ma maman qu'elle a acheté d'occasion... Non, elle l'a acheté neuf. Elle l'a acheté neuf. Il y a 2 ans, parce qu'elle l'avait déjà quand on avait fait la... Quand on avait été assisté à la dernière ZRT Trackmania Cup à Bercy. Et lui, c'est 2027. Mais c'est un Galaxy S. Alors, du coup, est-ce que je peux retrouver... Alors là, on a le A52 machin. Là, on a les S21. En fait, pour les Galaxy A, ils n'ont pas d'infos, j'ai l'impression. Est-ce que je peux chercher A51? A51, il est sorti il y a 4 ans, déjà. Ça dit juste yes, yes, mais en fait, il n'y a pas de date, donc j'ai pas l'impression que le... Parce que vous voyez, le S20, il est sorti, en fait, à mon avis, non, parce que le S20, il est sorti il y a 3 ans, et il est déjà fini. Donc, ça m'étonnerait que le Galaxy A, il soit mieux... Est-ce que je cherche ça? Ouais, même pas, ouais. Putain, je craque. Ok, donc vous voyez, au mois de juin, Samsung a dit... Ta gueule. Samsung a dit, le Galaxy A51, c'est fini. Voilà. Donc en fait, le téléphone vient de rentrer en fin de vie au bout de 4 ans. Bon, ceci dit, sur les moyens de gamme, voilà, c'est déjà, ça reste un bon élève. Mais vous allez chez quasiment tous les fabricants chinois, c'est Bagdad pour avoir des infos. Hein. Et pareil, bon, OnePlus, de toute façon, ils font que des téléphones haut de gamme maintenant, quasiment. À part peut-être les Nord, mais du coup, les Nord, je sais même pas si OnePlus Nord... Android. Sport. Je sais pas si on a une. Bon, je mets update peut-être. Là on a un appareil, là on a un truc qui nous dit tiac tiac tiac, ça c'est quoi? Donc ça c'est un article qui date d'il y a un an. Tout rond. 20 septembre 2023. Et bon là ça parle du OnePlus 11 qui a même pas un an. Donc quoi, on a quoi? OnePlus New Policy Announcing, ok. Donc, Policy Promises, 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc, ils sont alignés quasiment sur les... Alors, par contre, livrer tous les 2 mois, ça, c'est pas bon, parce que techniquement, des patchs de sécu, il y en a au moins une fois par mois. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. En tout cas, alors, OnePlus Nord, N300, une mise à jour de sécu, une mise à jour de machin, et 2 ans de mise à jour de sécurité. Donc, vous voyez, dès qu'on passe sur du moyen de gamme, entre guillemets, bah, dans le cul, et donc, du coup, le N300, il est déjà en fin de vie, il approche déjà de la fin de vie. Voilà. Comment dire? C'est pas dingue. Hein. C'est vraiment pas dingue. Et si on va vers du mieux, c'est en partie parce qu'il y a des législations qui commencent à pousser au cul. Parce que sinon, vraiment, ils en auraient rien à branler. Et sur l'entrée de gamme, c'est
vous avez des téléphones qui sortent avec la version d'Android qui est fournie, et il n'y a jamais de mise à jour, y compris de sécurité. Et ça, c'est pas normal. Donc voilà. Vous avez vu comment on peut passer outre ce qui est vraiment de l'obsolescence programmée. Et là, vraiment, on est à fond dedans. On est dans un univers Android. Je ne sais pas, il me semble que il n'y a pas que des téléphones qui sont supportés. Il y a potentiellement des tablettes. Je garantis pas. Hein. Attention. Je mets des grosses pincettes sur le sujet. On voit qu'il y a des bourrins pour tenter d'injecter. Ils s'en foutent. Pour tenter d'injecter ça sur des Switch. Mais c'est des malades. Mais c'est pas possible, ce genre de conneries. Ah, ça, c'est très intéressant, ça. Shield TV. Ah. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que... La Shield TV n'est pas un mauvais appareil. Avant que ma mère change de télé pour une télé Android télé, je lui avais acheté ça pour son ancienne télé qui n'avait aucune forme d'intelligence, et je déteste ce terme pour des appareils comme ça. Et en fait, c'est du matériel qui est très très bon. La Shield TV, c'est un furieux appareil. Le problème, c'est que c'est de l'Android TV et ils l'ont verrouillé dans le sens où vous ne pouvez pas utiliser l'Android qui est fourni avec le Shield sans compte Google. Vous ne pouvez pas démarrer l'appareil si vous ne renseignez pas un compte Google. Vous voyez, là, le téléphone, lui, il a démarré sans, il n'y a pas de souci. La version d'Android qui était fournie avec, ils ne nous ont pas demandé de renseigner un compte Google quand on a démarré la première fois dessus après la réinitialisation. Ça ne demande pas. Ça ne demande pas. Mais, comment ? Donc, et du coup, c'est intéressant de... Alors par contre, ce qui est dingue, c'est que Nvidia le supporte. Alors vous voyez, comme quoi c'est possible. 2019, Android 14, sur la version officielle. Ah non, ça c'est current version 21, oui, pardon. Qu'est-ce que... On va regarder ça, alors, du coup. Hop. Ça fait du 4K, machin, etc. Bluetooth 5, Wi-Fi AC. Gigabit Ethernet. Il y a une vraie prise Ethernet. Ah, d'ailleurs, ouais, vous avez vu le format, c'est un cylindre un peu bizarre. Du coup, il y a... D'un côté, vous avez HDMI, un port micro SD. De l'autre côté, vous avez la prise d'alimentation et le port Ethernet. Du coup, vous avez des câbles des deux côtés au niveau du cylindre. C'est pas beau à voir. Mais bon. Du coup, application incluse, gna gna gna. Google Play Movie TV, oui. Google Play, machin, etc. Est-ce que on a le aperçu, spécification produit, Shield TV? Pourquoi Shield TV, machin, etc. On s'en fout, manuel d'utilisation. Base de connaissances FAQ, produit de génération précédente. Pour les développeurs. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'en gros, en fait, même... Alors, celui-là, il est sorti en 2019, mais la première version... Alors, c'est vrai que si on sort le... Produit de génération précédente.
la première Shield TV qui est sortie en 2017. Donc ils arrivent encore à faire mise à l'échelle optimisée par l'IA jusqu'en 4K 30 images secondes. Mais voyons. Avec le Tegra X1, il le faisait déjà, ça? Ils sont sûrs de cette connerie-là, là? Ouais. J'ai un doute. Hein. Ah oui, non, mais voilà, ils me remettent encore le... Et on s'en fout, c'est pas ça que je veux, moi. Ah oui, mais c'est en fait, je clique dessus. Bah non, oui, voilà, c'est je clique dessus, ils me remettent la version 2019. Eh, mais non. Shield 2017, Android Updates. Ah bah voilà. Alors... Merde, pas de bol. On a le nom du ce qu'ils appellent, on a le nom du firmware qui s'appelle Shield Experience. Et puis en fait, on n'a pas la version d'Android qui est fournie dedans. Ah, quel bonheur. Fais chier. Non mais vraiment. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, Nvidia, voilà, ils supportent. Ils ont du bon matériel et du coup, ma mère a une Nvidia Shield qui traîne comme ça. Et qui fait de la lecture 4K, mais en vrai, si je peux remplacer la version d'Android, j'avouerais que ça m'intéresse pas mal. Hein. Ça m'intéresse vraiment pas mal. La télécommande est un peu particulière de ce truc-là, elle est triangulaire, il n'y a pas beaucoup de boutons dessus. Mais comme elle fait de la lecture 4K, j'avoue, vraiment, ça me... Ça m'intéresse. Installation, build for yourself, update to new build of the same machin. Mettre une, faire une montée de version. D'accord. D'accord. Download, get the build. Donc là, on a les builds là, avec... Bref, on est quand même sur du nightly, alors faut vraiment pas avoir peur. Alors c'est du nightly, mais en fait il build ça une fois par semaine. Ok. Nightly, ça veut dire qu'ils prennent le code en l'état, ils le build, si ça marche, ils en font une archive, et puis voilà, démerdez-vous avec. On va pas se mentir, faut pas avoir peur. Hein. Moi j'ai fait ça justement sur le premier Galaxy S que j'avais. Première fois que j'avais installé Cyanogen, c'était nightly aussi. Bah j'ai dû me passer de Wi-Fi pendant 2 semaines. Parce que le Wi-Fi marchait plus. Il s'activait, désactivait en boucle. Ah. Mais du coup, je pensais qu'il y avait des tablettes dans l'histoire, et manifestement, il n'y en a pas. Ce qui est chiant, parce que c'est pareil, les tablettes, l'univers des tablettes Android, c'est un champ de ruines en termes de gestion de mise à jour. Je trouve ça dommage. Alors, est-ce que peut-être que, au niveau... Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus qui apparaîtrait... Si je vais dans les forums... Je peux pas faire une recherche globale... sur la partie tablette. Là, on est sur des catégories fabricants. Bon, même si je vais dans chez Samsung. Galaxy Tab. Galaxy Tab S8. Du coup, ils nous disent quoi? On a des route guides. D'accord. Il y a apparemment une version GSI de Lineage OS pour la Galaxy Tab S8.
avec un truc qui s'appelle Fast D. D'accord. Allez, démerdez-vous. Oh la vache. Ouais, non. Et on est encore sur des trucs en mode non officiel, donc voilà, faut vraiment pas avoir peur de faire ce genre de truc. Donc non, c'est quand même pas glorieux tout ça. C'est quand même pas glorieux. Mais au moins, bon, ça a le mérite d'exister, on va dire comme ça. Au moins, c'est pas du full. Et ceci dit, voilà, en fonction des fabricants, le déverrouillage du bootloader est pas forcément aussi facile. Hein. Comme je l'ai dit, sur le Huawei, je peux pas le faire. Parce qu'il faut passer par le fabricant. Et Huawei ne le fait plus. Donc dans le cul. En tout cas, sur ce, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce qu'au final, on arrive au bout, hein. Et c'était ce qu'on voulait quand même, hein. Mais c'est pas, c'est quand même pas facile, hein. On va pas se mentir. Si jamais vous cherchez aussi, parce que là, bon, je suis parti sur du Lineage OS. Il y a quand même des choses aussi qui changent. Si vous avez un Google Pixel, vous avez différentes options. Google Pixel Alternative OS. Vous avez Graphene OS et Calyx OS. Alors il y en a deux qui se tirent un peu la bourre. Chacun vient avec ses propres. Ses propres. Comment dire? Challenge, notamment parce que. Vous voyez, your phone should be private. Private secure mobile Android system. Le fait est que Google fait énormément d'efforts pour vous pister, quel que soit le niveau de. On va dire d'open source que vous avez dans votre téléphone. C'est incroyablement. C'est un travail de titan. Et donc. Pas mal de. Alors, Lineage OS n'est pas ultra agressif sur le sujet. Mais typiquement, chez Graphene et chez Calyx, ils font un gros boulot. Et je crois que chez Calyx, ça va jusqu'au point où, en fait, y a pas mal d'applications du Play Store qui ne fonctionnent pas sur le téléphone. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne... Il n'y a pas les services Google, en fait. Il n'y a pas les services Google, et du coup... Vous ne pouvez pas installer certaines applications qui reposent sur les services Google. Parce que bah, les développeurs étant des gros flemmards, ils prennent tout ce que Google leur donne. Ce qui fait que vos applications parfois vont démarrer avec des trucs qui sont faits pour remplacer les services Google, parce que dans la pratique, comme elles ne s'en servent pas réellement. Suffit-je de dire « Si, en fait, c'est là !» Il y a juste une façade avec trois poteaux derrière pour tenir la façade debout. Il n'y a pas de baraque. Hein. Mais comme l'application s'en sert pas, elle va juste vérifier qu'il y a la façade. Et s'il y a la façade, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ça marche. Mais en vrai, c'est de la merde. En vrai, c'est de la merde. Comment ? Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut pas, sur lequel il faut faire attention. Il y a d'autres initiatives, on a quoi aussi? On a, c'est Post-Market OS, je crois, qui s'appelle comme ça. Ah, oula, ah oui, oula, non. Ah oui, on est encore sur un autre délire, là. On est encore sur un autre délire, puisque ça se base... Ok, donc là, on est sur du vrai Linux. Ah oui, donc là, c'est encore autre chose. Ouais, non, là, je vais même pas le tenter. Clairement pas. Clairement pas. Alors, si je fais Explore, on a quoi? Est-ce qu'on a un truc avec le... Parce que Install, on a quoi? Release Image, ouais, d'accord. Installation Guide. Mais comment on fait... Ah, Devices, c'est dans le wiki. Ok. Ah, du coup, on a quelques...
On a quelques matériels. Oh, putain, Galaxy S3, sérieux? Vache. Ah oui, mais alors, d'accord. Ouf. Ah, il y a des Chromebooks, d'accord. Des laptops avec du A-Arch machin, ok. Il y a pas mal de Chromebooks hein, dedans. Alors, ce serait rigolo de savoir si... Quoique, non, non, mon vieux Chromebook pourri, il a 16 gigas de stockage, vraiment, on vaut mieux pas tenter le diable. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas démarré... Mais il y a des. On voit qu'il y a des convertibles, des tablettes. On n'est pas sur de la. On n'est pas sur du. Ouais, 2012. Oh peut-être pas abusé non plus. Enfin voilà, il y a ça. Et pour les téléphones, alors une autre démarche. C'est Murena. Murena. Il propose directement des smartphones avec le système directement embarqué dessus. Mais le système est installable à côté, Murena OS. Et donc ce que je disais tout à l'heure sur Calyx et Graphene, eux, ils vont encore plus loin. Ils vont encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vraiment, ils modifient. Ils vont vraiment dans le cœur du code d'Android et ils suppriment tout ce que Google a mis pour récupérer des infos sur vous. Ils suppriment les fonctionnalités qui font que, typiquement, par le passé, Google s'amusait à continuer d'enregistrer la liste des points d'accès ou vos positions, alors même que vous étiez censé avoir désactivé tout. Voilà. On en est là. Ils font de la reconditionnée. Ouais, mais Pixel 5, ça commence à dater maintenant. Techniquement, ça commence à piquer fort. Hein. Ils sont gentils, mais. Bon, ça, c'est ils vendent les téléphones en direct, mais c'est vrai que le système lui-même, je crois qu'il y a plusieurs. Il y a plus. Si on fait. Et en fait, oui, alors c'est ça aussi, je termine la démarche. Typiquement, la base propose d'utiliser un téléphone. Le système d'exploitation. Enfin, Android est conçu pour utiliser un système d'exploitation. Un compte en ligne, Google. Qui vous donne accès au Play Store, qui par défaut se configure pour synchroniser toutes vos données privées chez Google sans vous prévenir à l'avance. Donc ça veut dire contact, appel, photo, tout, tout, aspirateur, machin. Et donc évidemment, bah, le concept de Murena, c'est de dégoogliser Android, et donc bah, quand vous l'installez, n'avez pas de Play Store, vous n'avez pas d'application Google d'aucune sorte. Mais du coup, ça vous ampute de quand même plein de fonctionnalités, parce que au-delà de l'aspect intrusif pour votre vie privée, le concept de base d'avoir un compte en ligne qui vous fait la synchronisation de ces données-là pour pouvoir très facilement les récupérer d'un appareil à un autre. On en avait parlé quand on avait fait l'épisode sur Nextcloud. Donc, l'idée, c'est de reproposer les services qui ont été supprimés, des équivalents aux services Google qui ont été supprimés par le fait qu'ils suppriment tout ce qui a trait à Google. Et ça implique aussi une boutique dans laquelle il y a des applications. Le fait est que, par contre, je sais plus s'ils n'ont pas un truc de wrapper qui installe les applications du Play Store, mais sans que vous passiez par le Play Store. Je me souviens plus. Murena. Si on va sur Murena. Nous fournissons des smartphones. Voilà, le Workspace Murena, c'est le truc de synchronisation.
Mais du coup, ça, pour le coup, il me semble que c'est pas gratos. C'est la réalité, hein, c'est que Google, eux, ils se payent en revendant les données ou les traitements qu'ils font sur les données. Alors, par défaut, avec un 1 giga de stockage, c'est gratos. Donc, si vous ne synchronisez pas les photos, mais seulement les contacts, par exemple, c'est déjà pas mal. C'est gratos. Par contre, sinon, on est sur une base de 2 dollars par mois ou 20 balles à l'année. Donc, ils vous offrent 2 mois si vous payez pour un an. Avec 20 gigas. Et sinon, Donc, ce qu'il faut se dire hein, quand on voit ça, c'est qu'en fait, ça, c'est les vrais prix. Que vous êtes censé payer avec Google si jamais vous utilisiez le stockage. Enfin, si jamais, quand vous utilisez le stockage qui vous font. Voilà. Bon, alors par contre, du coup, sur le site web, ils veulent pas parler du système d'exploitation pour le fait parce que on peut. Alors moi c'est cool, hein, j'ai un support officiel Fairphone, si ça se trouve, c'est sympathique, mais je peux pas installer le. Ah bah voilà. Alors, j'aimerais bien voir le. J'aurais bien aimé voir directement une page sympathique comme on l'a vu pour les autres systèmes. Hein. Parce que là, GitLab, on n'est quand même pas sur un truc foufou. Mais il y a manifestement plein de. On a plusieurs. Je vais y arriver. Ah, je commence à. Les trucs avec ça, c'est les device tree, ça pour le coup. Ouais. Je sais pas si on a une page. Alors c'est iOS. Je pensais qu'il l'avait appelé Murena OS le truc, mais bon. Alors, écosystème, key feature, get machin, support fondation. Alors, si on fait get machin. Oh, 180 modèles supportés. Ah, quand même, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Oula. Oula, oula. Bon, comment dire? Ah et puis on voit Android Nougat bêta. Ça, ce qui veut dire qu'en fait, il est en plus mauvaise posture. Il veut dire que c'est pas supporté. Hein, je ne sais pas. Je vais quand même regarder paramètres. Ouais, c'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose. Alors par contre, je vois que j'ai définitivement perdu la lumière sur les boutons. Hein. Je sais pas comment ça s'est produit, mais Oui, non, Legacy Device no longer supported. Voilà. En fait, c'est beaucoup trop vieux, ce n'est plus supporté, tant pis. C'est pas grave, on s'en remettra. Hein. Je m'attendais pas à des miracles non plus pour ce téléphone. Voilà, en tout cas. Ouais, donc vous voyez, on a pas mal quand même d'alternatives. On voit que ça vient avec ses propres challenges, hein, vraiment. À moins de vouloir un système à jour avec un Play Store et tout le bordel. Clairement, faut vraiment savoir où on va.
Vous allez pouvoir avoir des bugs, vous allez pouvoir avoir des applications qui fonctionnent pas parce que, bah, comme on dit, hein, voilà, il y a des trucs. Là, typiquement, je sais pas si je suis administrateur du téléphone. Vous avez des applications qui refusent de s'installer ou de démarrer. Genre typiquement les applications bancaires, si elles considèrent que vous êtes administrateur de votre téléphone. Ils vous disent explicitement que vous n'avez pas le droit d'avoir le contrôle sur votre matériel pour utiliser leurs applications. Ce qui en dit long sur le niveau de respect qu'ils ont de... Il y a des raisons purement techniques, hein, mais dans la pratique, voilà. Parce qu'on part du principe que la majorité des utilisateurs ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être administrateur de son téléphone, ne comprennent pas les implications, et que donc, vaut mieux ne pas prendre le risque. Malheureusement, ça se défend comme point de vue. Voilà. Sur ce... bon, on va éteindre... On va éteindre tout ça. Quoi ? Hein ? Voilà, voilà. Tiens, pour la blague, le téléphone, il est resté allumé depuis tout à l'heure. La batterie, elle dit quoi ? Oula. Ouais. Je vais enlever la rotation automatique parce que ça m'emmerde. Ah merde, putain, je suis parti de la caméra. Ah, le con. C'est quoi le navigateur, pour la blague ? Paramètres. Effacer les cookies. Je sais même pas ce que c'est comme navigateur. C'est rigolo. Ah, il m'a... Non, attendez. Oh putain, il a inversé les boutons par rapport à... D'accord, ok. Donc, le bouton de retour, il est parti là. On a le bouton au milieu pour... Le bouton au milieu ne fait rien, par défaut. Enfin, il permet de revenir à l'écran d'accueil, mais c'est tout. D'accord, bon, je pense que je peux les paramétrer. Et le bouton de gauche, ok. C'est chaud, hein, quand même. Non, je pense que ça doit pouvoir se paramétrer. Ça va être où ? Ah, écran. Voyons voir si on a quelque chose. Thème sombre, non. Luminosité adaptative activée. On va l'enlever pour la blague. Live display, c'est quoi ? Optimiser votre écran en fonction de l'heure et des conditions ambiantes pour améliorer la visibilité et réduire la fatigue oculaire. Ah, intéressant. Ensuite, on a quoi ? Paramètres de rotation, on s'en fout. Économiseur d'écran, on s'en fout. Taille d'affichage par défaut, c'est un peu ça. Empêcher un réveil accidentel. Réveiller au branchement. Appuyer pour mettre en veille. Appuyer deux fois sur la barre d'état, sur l'écran pour... De verrouillage pour éteindre l'écran. Ah, si je fais ça... Ouais, bah non. C'est pas ça. Ça va être quoi, là ? Activité du compte, il n'y en a pas. Verrouillage de l'écran. Du coup, on a quoi ? Téléphone, navigateur, très drôle, afficher les 19 applications. Bon, je ne sais pas ce que c'est que cette application. Mais on peut la désactiver si on a installé une autre application. Bon, on verra plus tard. Enfin, je verrai. On a un clavier Android AOSP. Ok. Moi, généralement, j'installe OpenBoard sur Android. Voilà. Bon. Allez, je vais m'arrêter là. Putain, minuit 11. Oh là là. Oh, d'habitude, on fait 2 heures.
Je déborde beaucoup là en ce moment. Non, en même temps, je suis content, je suis arrivé au bout, le téléphone, il est passé sur Android 11, c'est cool, il pourrait passer sur Android 13 aussi, mais bon, je pense que ça commencera à faire beaucoup. Et puis après, de toute façon, en fait, c'est le genre de téléphone, si vous n'avez pas une carte SD à côté pour stocker tous vos médias, c'est juste pas possible. Je sais même pas ce qui va se passer là, quand si parce que là, typiquement, je peux rien faire avec, en fait, j'ai pas de Play Store, j'ai même pas F-Droid, je crois, j'ai pas de truc pour installer les applications. Donc en fait, il faut que je télécharge. En gros, typiquement, par exemple, via le navigateur, je télécharge F-Droid. Oh putain, il pleut. Ah, attendez une seconde. Oula. Si j'ai pas envie qu'il me pleuve dessus pendant que je dors, ou même là, pendant que j'ai une mouille de plumard avant la fin du truc. Ah, merde. Alors... donc oui, si je veux pouvoir avoir des applications navigateur potable, c'est-à-dire Firefox, etc., ben en vrai, il faut que je passe par le navigateur, installer F-Droid. F-Droid me permettra d'installer d'autres applications. Type Aurora, qui me permet de récupérer des applications du Play Store. Et merde, j'aurais dû changer le... Le verrouillage d'écran. Ouais, délai. Pitié. Oui, je disais, donc typiquement Aurora, qui me permet d'installer des applications du Play Store sans avoir de compte Google, encore une fois. Par contre, et ça c'était dans la doc de Lineage, je crois, en fait, il y a des applications qui ne vont pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de service Google sur Lineage OS. Donc il faut installer un truc supplémentaire. Typiquement, c'était marqué là dans la doc. Alors non, c'était pas ça. C'était ce qu'on revient. C'est où? Hop, voilà. On revient sur la page de base. Lineage 18. Ok. Ça nous dit d'installer OpenGApps. Voilà. Donc OpenGApps, ça fait une espèce de wrapper sur les applications, enfin pour les applications qui font appel officiellement au service Google, au service Android, au Google Play Services. Voilà. Et en fait, ça présente, comme je dis, la façade des services Google Play, sans toute la merde derrière. Il y a des applications qui arrivent à vivre sans, du coup, avec mais sans. Et il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà, sur ce, je suis content. Encore un live bricolage non garanti réussi. Alors, je vais pas dire demain de mettre, on va pas déconner non plus. Hein. Avec un ordinateur qui n'aura pas planté. Malheureusement, on n'aura pas réussi à le faire avec Windows, on l'aura fait avec Linux. On aura encore vu l'intérêt d'un VirtualBox avec de l'USB pass-through. C'est beau la technologie quand ça marche comme ça. Donc, le replay du live sur YouTube, comme d'habitude, courant du week-end. On a vu hein, la semaine dernière, c'est arrivé le dimanche parce que bah, il a 4h30. Pour faire sa sauce, bon, c'est bien pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de faire la vignette. Et prochain live, vendredi prochain, nous serons le. Ah, le 28, 27. Le 27, bah oui, parce que là il est minuit un quart, donc on est déjà le 21, on est déjà samedi. Le 27, vendredi prochain. Étant donné qu'on avait simili raté l'install de notre premier épisode pour la partie. Chaos Engineering.
et observabilité, parce que c'est un combo en fait entre les deux, en partie. Il va falloir qu'on revienne dessus parce que on avait découvert 2-3 conneries. La première était que je n'arrivais pas à paramétrer Ghost. Enfin, je ne trouvais pas les paramétrages de Ghost pour lui faire utiliser Valky. J'ai vu un peu tard que ça allait être un peu la galère pour installer Valky. Donc on avait là pour le coup manqué de temps. Enfin, pas se mentir, c'était manquer un peu de temps pour le coup. Pour installer Valky. Avec la possibilité de l'installer en mode cluster, puisque c'est quand même un des objectifs à terme. Et on avait vu que Ghost nous posait des problèmes, donc déjà de configuration, et en plus de fonctionnement pur et dur, puisqu'il ne supporte pas d'avoir plusieurs instances frontales directes. Ce qui est chiant aussi, on va pas se mentir. Donc du coup, bah, va falloir qu'on trouve autre chose, en fait, tout simplement. Et du coup, qu'on l'installe et qu'on arrive après derrière à faire d'autres choses. Sachant que j'aimerais me passer d'application PHP, mais c'est ce qu'il y a de plus simple au final. Ça paraît con dit comme ça, mais configurer un PHP pour lui dire de stocker ses sessions sur un Redis, donc Valky, bah c'est une ligne. Deux peut-être, deux conf. Simplement. Mais j'aimerais bien une appli, quand même une appli du monde réel, et bon, bah si possible, un truc qui soit un peu plus sexy qu'un WordPress. J'ai pas envie d'utiliser WordPress, en fait. J'ai pas envie non plus de me limiter à un truc statique, parce que le but du jeu, c'est justement d'avoir des interactions entre services, et donc un front statique ne se servirait pas du Redis, et donc c'est un peu con. Donc voilà, sans aller jusqu'à pousser le délire loin... On a quand même besoin d'un minimum de choses, de dépendances, de fonctionnement, pour réussir à faire notre truc. Donc voilà, je pense qu'on va reprendre ça la semaine prochaine. Comme d'habitude, un modulo, un autre sujet qui serait proposé un peu plus chaud d'actualité, par exemple, pourquoi pas, pour lequel j'aurais un intérêt à dire des choses. Vous avez déjà des sources d'informations qui traitent plus facilement du truc, ou des gens plus compétents que moi sur le domaine aussi, hein. Je n'ai pas la science infuse. Voilà, on verra. Donc tout ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Et il faudra que je regarde, mais j'ai peut-être un délire dans 2 semaines, j'ai peut-être un truc, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Sur ce, je vais aller me coucher, hein. Ce sera plus simple. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Enfin, le bon truc au moment où vous regarderez ça. Ah, voilà, on va dire comme ça. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine sur les internets. Allez, ciao, ciao.